Yo, normalement c'est bon, ça devrait marcher. Comment ça va? On va jouer l'Eutrope encore. Ne vous inquiétez pas, on changera peut-être. Soit pendant le live, soit pour les autres lives. Mais même j'ai pas trop le temps de live en même temps. En ce moment. Vas-y, let's go. Ah, j'ai peut-être pas mes stats ou mes sorts. Si ça doit être bon, ça devrait aller. Alors, est-ce que ça marche maintenant? Que ça marche parce que j'ai l'habitude que YouTube ils font de la merde niveau notification, donc je me dis attention. Ouais, on est sur la bêta test. On est Yotrop. Yo tout le monde, comment ça va bien? Là. Comment ça va les gars? Petit dimanche, on va live un petit moment. Faudra que je fasse des trucs, mais là on attend de live un petit peu tranquillement. Heliotrope, on prend Pandawa, c'est parti, let's go. Avec des bons titres bien bien majusculés, si tu vois ce que je veux dire. Alors, putain, par contre, c'est trop bien Heliotrope. Enfin, c'est trop fun quoi. On s'amuse quand je joue Heliotrope et je déconne pas. C'est pas un. Je troll pas pour une fois. On va faire. Merde, c'est ça coalition, ouais, voilà. Hop là, on va se cabale aussi. Et on se casse. Comment ça va tout le monde? Ah, on est déjà 100, c'est cool. Yo, le mec hardcore qui débute sur Fortnite. Comme ça, hardcore. Salut tout le monde. Je partageais le lien du live rapidos. Voilà, ok, il nous éclate direct dans le popo. J'avais pas fait gaffe, il nous a juste fait ça. Point enflammé, 600, ok. Bon, ça va, en plus il reste vers les portails du coup. Hein. On va faire comme ça. On va tout interrompre et on va coalitionner. Le meilleur élément pour IA, PVM. IA, PVM, je sais pas moi, Terre, je pense. IA, Terre, c'est la méta. Il y a un décalage image-son. Alors, comment tu veux qu'il y ait un décalage image. Ah, sur ma caméra, genre? Ah, je sais pas, on va voir. Moi, je pense pas, mais peut-être, hein. Bah, interruption. Si t'es le seul à le remarquer, c'est bizarre. S'il y en a d'autres, ok, mais je peux pas y faire grand chose. Merde, bah là il va m'éclater dans le portail. J'ai fait le con. Pas grave. Pas chez moi, ok nice. Salut Charles, passera, comment ça va beau gosse? Moi ça va tranquillos. Pourquoi il tape pas dans le portail, c'était free. Je comprendrai jamais les joueurs français. Pour moi qui avais fait une erreur en plus. Ah, c'est vrai qu'il fait un peu chier ce petit Westin. On va quand même se barrer. On part par là-bas. C'est vrai qu'on peut pas faire interruption deux fois dans le même tour. Pourquoi tu mets ta capuche à l'intérieur? Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça change, beau gosse? Alors, liqueur x2. T'as plus fort un point. Ah ouais, en même temps, j'ai pas de raise. Hein. Et en plus, je suis vulné, je crois, non? Ah, il m'a mis deux vulnés en plus. Mais il tape pas si fort que ça, hein, franchement. Sinon, j'ai quand même deux vulnés et que j'ai absolument pas de raise. Pas terrible son Rox. On a connu mieux. Alors. Parfait, hein, pour taper. On est plutôt malin. Regardez ce petit placement de portail. Plutôt smart. Allez, ça dégage. Bien joué à lui. Première victoire. Yo sap. Pourquoi faisceau et pas rayon? Bah, puisque faisceau ça fait du vol de vis, c'est plutôt broken. Enfin,
Enfin, broken, non, mais. Enfin, lui, c'est pas du vol de vie, je crois. Faisceau, c'est du vol, ouais, voilà, c'est ça. Rayon de Wakfu, c'est bien pour soigner, mais là. Ozef, comme on dit. Partie deuxième combat. Wesh Kyojin pour le KFC, frérot. Ah bah si, mère, Kyo. Bienvenue à toi, attention à la petite musique qui va arriver, plutôt douce. Normalement, si c'est pas bugué, ça devrait arriver, mais il y a peut-être un petit décalage. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, beau gosse. Et bienvenue dans les teams archaïques, les teams spam cac. Avec la petite émote. Mais normalement, il y a des petites émotes, hein. Il y a petit bouftoufavo, Yodofla. Petit bouftoufavo dans les émotes, si je dis pas de conneries, ouais. Et dès qu'on a 20 subs, j'ai une nouvelle émote en plus. Et là, je crois qu'on est à 18, un truc comme ça. C'est plutôt doux. Doux. On va faire quoi? On va se booster. Faut que je place mes sorts après, par contre. C'est vrai que j'ai l'arc aussi qui est pas mal. On va se mettre par là, je pense. Ça reste 2 tours focus ou pas? Bon, on va le lancer alors. J'ai les 100k, merci les gars. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir les gars. Franchement, si vous regardez les vidéos et tout, vous n'êtes pas abonné. Bon, je sais pas pourquoi vous seriez là si vous n'êtes pas abonné, mais franchement, ça me ferait plaisir. Qui c'est qui a demandé quoi? Comment se passent tes études? Bon, ça va. En ce moment, c'est un peu... C'est pas que c'est chaud, mais c'est un peu intense. C'est pour ça que j'ai pas trop le time de live d'ailleurs. Mais sinon, c'est cool, hein. Tout va bien. Peut-être lui mettre un petit parasite, des familles. Hop, en plus on a traversé un portail, donc on a gagné... putain, on tape tellement fort. Le mec, il a 50% feu, on lui met des claques. Des grosses claques. Hop là. Et là, ça sort mal, faut qu'il fasse tout le tour, et pas même pas en vrai. Sympa le montage Fortnite. C'est bien les gars, ouais, il y a une vidéo sur Fortnite qui est sortie sur SAP2, la chaîne secondaire. Donc bon, si vous intéresse Fortnite, allez voir, hein. Je débute, hein. Toutes les clips, ça a été filmé entre, on va dire, 25 et 60 heures de jeu. Donc bon, si c'est pas ouf, c'est pas Grotaga qui joue, quoi. Enfin voilà, quoi. On va faire ça. Hop là. Il est peut-être un, c'est un Kratour 3 ça? Non, c'est pas un Kratour 3, ça va. Mais je le clash pas, moi je l'aime bien Gotaga. Mais franchement, j'aime bien, il joue bien, hein. Mais juste que voilà, j'ai pas son niveau. Enfin bon, si je dis Gotaga, parce que c'est peut-être celui que vous connaissez tous, mais il y en a d'autres, hein, qui sont meilleurs que lui et d'autres qui sont moins forts. MDR. Alors, la petite parasite dans ses dents. Putain, il m'a viré plein de PM, ce bâtard. D'après mes calculs. Si je fais ça, ça passe. Putain, mais je suis vraiment un joueur français, moi. Le problème, c'est que je suis mal en HP, quoi. Il va falloir que je mette pas trop de dégâts. On va se faire double paume. On va se faire coalition interruption. En vrai, ouais. On va quand même le faire. J'étais peut-être pas obligé de fermer les portails, parce que... Bon, si, vous pouvez quand même taper dedans. Ah, je pense pas qu'on va le gagner, ce combat. Après, dites-vous que je joue vraiment pas en mode tryhard. Et dites-vous que j'ai un stuff vraiment fou qui cousse, quoi. Donc... si je perds, c'est pas non plus un scandale, mais j'aurais dû mettre un parasite, je pense, ce tour-là. J'ai fait le con, j'aurais dû mettre parasite, je pense que je pouvais le tuer ce tour. Après, j'aurais pas dû mettre full soin. J'aurais juste dû le mettre un petit peu plus de rox. On va faire comment? On peut faire ça. Attends, il est où là? Ouais, on peut faire ça, genre... Putain, mais j'ai pas de PM aussi dans ce jeu vidéo. Ah, merde, j'ai foiré, là. Ouais, j'ai foiré, bah... Ouais, je pense que c'est un peu mort, là. Parce que je peux me soin et tout, mais à mon avis, avec sa pupu, il peut me tuer dans tous les cas. Donc j'ai un peu fail, là, j'aurais dû interruption. C'est pas très grave, hein. On va faire ça quand même, au cas où. Au cas où. Et puis, vas-y, coalition. En fait, tour d'avant, j'aurais dû parasite, je pense. Et après, ce tour-là, j'aurais pu le tuer. Avec le parasite, qui, même si tapait que 500, après, il se prendrait des dégâts. Ouais, bon, à voir. Là, j'ai juste fail, il fallait que j'ai interruption, après. Alors, est-ce qu'il peut me tuer ou pas? Parce qu'en vrai, s'il cale pas la pupu, c'est pas fini, quoi. Hein. Et là, je sais pas ce qu'il a foutu, parce qu'il aurait pu la caler, la pupu. Ça, pour... Ok, bah en fait, j'ai pas encore perdu, parce qu'il m'a pas calé sa pupu.
Il tape la pupille sur le totem, wesh. Ce totem, on s'en bat les couilles, je l'ai mis juste pour, bah justement, pour bloquer la ligne de vue. Oh, il a mal joué là, en plus je crois qu'il pouvait la mettre facile la pupille. Il avait juste à pousser le totem, il est en diagonale, il me niquait, hein. Pas compris là, honnêtement. Les mecs de la bêta, des fois, ils sont un peu full drogue. Hein. Bon, cette fois. Si je rentre là-dedans, je vais sortir tout là-bas. Bon, au pire, on va pas se prendre trop la tête. Je vais faire interruption, tu sais quoi? On va faire ça. Hop, faisceau lumineux. Putain, c'est après un. Ouais, faut quand même que je me soigne. Donc, on va en mettre deux. Et on va mettre ça. Et on va terminer là. Bah, s'il me tue. Mais je pense qu'il me tue maintenant en plus. Parce qu'il a plus son tour. Son tour punitif. Ça sert à quoi le totem? Bah, quand je tape dessus, moi, ça pose un portail sous ma gueule. Donc, c'est pas mal du tout contre le FK, genre. Enfin, même, c'est pas mal dans tous les cas. Mais c'est mieux sur la map aggro. Je dis ça parce qu'il est gros, mais il est même il est pas gros, non? Enfin, pff. Non, ça va, je trouve pas. Alors, 400 dégâts à faire, ça va passer. Ah, il y a le de coco, bon, on tue quand même. Hein. Bien joué à toi, mon gars. Finalement, on gagne, c'était chaud. Salut, New Tapper, salut, Joe. Élément Eka dans une team Enikra. Bah moi j'aurais joué, je sais pas, full terre c'est pas mal Eka quand même. Avec les petits audaces d'Eka flip. Ah voilà on a un contre FK. Ah putain c'est Rocky. Il va jouer Dakakter ou je sais pas quoi, il va nous éclater. Je pense qu'il nous défend parce qu'il va jouer full rocks. Et vu qu'on a 7% de res OFE et qu'à mon avis il est en Dakakter. Ouais il est en Dakakter. J'ai pas de res du tout dans les deux éléments là. En plus fait après il a que 7% feu. Hein. Mais bon je pense qu'il nous tue. Bah, c'était Marianne qui avait joué contre son Yop dans la vidéo. Après, on aurait pu le gagner, hein, mais bon. Mais bon, on s'est fait un peu là, il met ça pour faire renfort dessus. Mais moi, je suis pas con, hein, je connais les Bison comme ça là. Prochain tour, il arrive, il va là, il fait renfort TP et il peut venir jusqu'à moi. Mais moi, je vais me barrer par là-bas. Je sais pas si on voit ma souris, je crois qu'on la voit. Putain, ma caméra, elle est trop grosse, je vais la baisser, non? Hop, ça aussi, on va y baisser. On s'en fout un peu de ma gueule en vrai. Oh, les gars, arrêtez de vous désabonner parce qu'il y a le chiffre qui s'affiche, c'est pas très rigolo en fait. C'est marrant la première fois, après, c'est pas drôle. On va faire cabale. Et merci à ceux qui s'abonnent pour entendre, vraiment. Ça fait plaisir à la famille. On va faire focus aussi. Est-ce que j'ai la PO pour niquer la carotte? Ouais, nickel, je la tue. Comme ça, il peut pas s'approcher trop. Ça, je suis plutôt content de mon tour, ça va. Quand une vidéo avec Medoche? Bah pourquoi pas, mais juste qu'en ce moment, c'est dur de faire du 3v3, genre. Sur bêta, tu trouves jamais de combat et sur Ophi, bon, j'en ai pas fait depuis longtemps, mais c'était pas terrible en général. Mais bon, on pourrait essayer, hein. On peut pas obligé de faire une vue 3v3, c'est vrai. On peut faire un défi, un 1v1, je sais pas quoi. On verra, on pourra peut-être faire. Je sais pas, c'est lui qui doit me proposer aussi, hein. Je vais pas aller venir vers lui et faire ouais, je fais une vidéo. Alors, bouclier FK rempart. J'ai envie de me barrer très loin là. Pour l'instant, on va taper un peu comme une merde parce que. Il est pas stupeur en plus. Putain, en vrai, on lui tape fort alors qu'il a full res. Hein. Le problème, c'est que là, il va nous éclater. Il va nous dépop. Je pense qu'il peut nous one turn en vrai, je déconne pas. En hein. Plus, je vais rien pour me protéger moi. Je lui dis GG parce que. Non, il nous tue pas, mais en vrai pas loin. Hein. Les gars, en vrai, il vient là, il TP. Il met un glyph fulminant, il met deux cacs. Et je pense que j'ai. 100% il fait ça, hein. Et après, je pense qu'il me reste genre 1000 HP. Hein. Je déconne pas, hein. J'ai pas de res. J'ai pas du tout de res. Glyph fulminant. Regardez. Hop. Cac, cac, dacacter. Voilà. Ah, Dragdagoff, il a changé. 1500 HP. Bon, ça va, c'est pas fini parce qu'elle a plus de res quasiment. Le problème, c'est que mon portail, j'ai mal placé de ouf. Putain, gamin, il est en offensivoire en plus. On va interruption. Un Flamiche faisceau. On va décaler ici 700 dégâts. Il va pouvoir nous remettre des coups de cac. Mais il sera plus trop boost là, ça va. J'aurais. Je vais pas très bien jouer. Après, si je reste en vie ce tour là et qu'il se protège pas, je peux le tuer, je pense. Mais là, j'ai mal joué, je trouve. Enfin, après, la map est vraiment à chier pour moi. Franchement, elle est nulle. Tu peux pas prendre de la distance. Alors là, j'ai un portail 2 qui est tout là-bas. Je pourrais peut-être m'écarter.
Il va essayer de me terminer. En vrai, s'il crit. Ah, mais je crois qu'il a une chance sur un au crit, donc il peut me terminer, je pense. À mon avis, il me kill. Hein. Ouais, il a une chance sur un crit, je crois, en cac. Hein. Donc, dans tous les cas, il fera des crits, je crois. 600, 600. Ah, il a pas crit, non, il a pas une chance sur un. Par contre, quand il crit pas, c'est de la grosse merde. C'est grave. Bastion, je suppose. Voilà, Bastion de lancer. J'ai même pas la libé, bordel. J'étais même pas obligé d'interruption, mais bon. Ah, j'ai mal joué ce combat. Bon, là maintenant j'ai un peu pris de distance. Il y a moyen de retourner la situation, les gars. Ok, il va se booster un peu. Et il lance bouclier Féca, c'est un peu chiant. Sûrement rempart aussi. Yo, Relika. Yo, tout le monde. JPP, je bouffe comme un porc, je réussis jamais. Bah, je suis dans le même cas, t'inquiète. Hein. Je connais cette situation. Il faut faire du sport. Mais moi j'ai la flemme. Pourquoi j'ai que 3 portails? Ah, parce qu'il a niqué mon totem, ok. Il se place pas mal, hein. Putain, il lâche fortification en plus. Ah, ça ressort là, c'est intéressant ça. Ah, ça c'est cool. Le problème c'est que. Il est full res là, le bâtard. On va quand même lui mettre double faisceau lumineux. Là il va TP les gars je pense. Quoique. Ouais je pense qu'il va TP. Comment t'appelles ça? Cac-cac là il fait? Ok. Il va Gravita peut-être sinon. Après Gravita. Ah merde j'ai pas le totem. Bon tant pis au pire. Hein. Mais là je crois qu'il est en train d'hésiter avec le Gravita. Oui. Ah mais il me tue là. Non il m'a pas tué ok. Donc si je fais ça il sort là. Je peux mettre ça là. On va tester. Il a eu les raids encore là? Putain il est encore full raid le bâtard. On va. Bah du coup on va essayer d'Odyssée. Merde, ah bah merde, c'est my bad là. J'avais pas vérifié, bah c'est pas grave, on va se soigner. J'avais pas vérifié la redirection, c'est my bad. Hop là. C'est pas la fin du monde honnêtement, parce que si. Enfin, je sais pas si elle a les TP ou pas. Parce que vu que j'ai interruption, je suis assez safe. Là, il a plus de protection. Là, normalement, je crois qu'il a plus rien niveau protect. Il va renfort. Mais il a la TP ou pas? S'il a la TP, je pense que je suis mort. Ça va dépendre des crits. S'il n'a pas la TP, ça va. Là, franchement, il a plus aucune protection. Alors, on va voir, hein. Est-ce qu'il a la TP ou pas? Après, même s'il a la TP, vu qu'il a pas le glyphe fulminant, c'est pas, il a pas de maîtrise non plus. Après, il a le nébuleux quand même. Hein. Ok, là, je peux essayer de le kill. Je crois qu'il a aucune protect là. Parce que limite, avec un cac, regardez la prévisu, j'ai juste besoin de faire ça quoi. Je crois qu'il a plus. Hein. Et vu qu'il joue pas avec trêve, à mon avis. Ah, 533. Ouh, il a crit la famille. Ah, gars. Ouh, 23 points de vie. Heureusement qu'il a pas crit. Oh bordel, c'était chaud. Bien joué à lui. Ça passe, hein, mais c'était vraiment tendu. Il a pas eu de chance. Enfin, il a pas eu de chance. À la fois, non. Je sais pas, il a combien de pourcents de crit, mais il a quand même fait quasiment que des crits du combat. Donc, je pense qu'il a vraiment beaucoup de crit, mais c'est le seul non-crit qu'il a fait. Et tout à l'heure, il a fait un non-crit aussi avec ses dagues là. Bah, moi, je suis pas de crit non plus. Hein. Est-ce que je le tue? Oui, c'est bon. Putain, le combat était tendu, un beau combat. Pourtant, j'ai très mal joué, par contre, parce qu'il y a eu au moins un fail portail. Et au début, j'ai mal placé mes portails. C'était un peu de la merde. Mais les FK comme ça, c'est pas mal. Nice, les Dark Dragoff. Ouais, c'est sympa le Dark Dragoff. Tu joues sans nébuleux. Ouais, je suis pas en nébuleux là. Bienvenue tout le monde. Ceux qui arrivent sur live, yo, ça peut après le Roublard R. Quel élément serait le plus viable pour cette classe en PP? Bah, tous les éléments sont viables hein, sur Roublard. Franchement, tous les éléments, les 4. C'est une des rares classes où d'ailleurs les 4 éléments sont jouables. Hein. Parce que Roublard, vraiment, les 4 sont jouables. Quoi. Il n'y a pas de distinction. Genre. Il vient de TP. Ok, j'ai pas suivi les tours de relance. Hein. J'étais concentré dans mes bails. Et vu que je lis le chat de temps en temps. Ah, ils n'ont pas accepté le Coliseum. Il est mignon mon petit Elio avec son petit tofu là. Merci d'être là les gars. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est chaud de. Vu que tu vas sur Dofus, t'as pas une communauté gigantesque. Parce que voilà, Humility c'est le gros, plus gros youtubeur, il a quoi? Il a 170 000 abonnés, un truc comme ça. Bah c'est dur de gagner des abonnés quand t'es sur Dofus quoi. Parce que bah justement la communauté elle est réduite, tu vois, comparé à ce si que tu fais du vidéo Fortnite. Ou je sais pas, League of Legends, peut-être t'as une grosse communauté, c'est chaud. C'est pas pareil, mais bon, on fait ce qu'on peut, on est là, hein, avec Dofla, avec Medoche, on fait notre vie, on s'amuse bien. Bientôt le championnat des WS en plus, comme je disais, j'ai pas le time. Je vais m'entraîner trop parce que j'ai les cours.
Ah, il a un niveau R. Oh putain, mais j'ai de la chance, hein. Les mecs aujourd'hui ils ont pas de reste-feu. Genre, le mec d'avant c'était pareil. Par contre, je crois qu'il joue le même stuff que le gars d'avant. Hein. Genre, un bail avec des. Voilà, un truc feu là. Ouh là là, putain, mais en plus avec Iliotrope, pour éviter un gros tourné bleu, c'est quasiment impossible. Hein. À part du placement, mais contre Iop, c'est dur. Franchement, là, ça va être très très dur. Hein. Je déconne pas que. Je sais pas comment on va faire là. Faudrait que je me barre très loin le prochain tour. Kabal, c'est tous les tours ou pas? Ouais. On va se faire ça, même ça sert pas à grand chose pour l'instant. Focus aussi, maîtrise. Bon, on peut interruption, même si on s'embête un peu. Là, les gars, vu que c'est un Yop-feu, je pense, comment j'évite son putain de tour? Vu que la map, elle fait 2 cm. Tu sais, si c'était la grande map là, où tu as une grande map comme ça là. Tu peux éviter si tu places bien tes portails, mais là la map elle est toute petite. Hein. Si le mec il reste au milieu, que je sois là ou là, il peut me choper. Hein. Parce que là, full t- voilà, il va faire un full tour. Franchement, il peut one shot, Jagon, pareil. J'ai pas de res, donc j'ai 6%. Je crois qu'il est full feu. Peut-être feu terre, bah, c'est comme le mec d'avant, mais il est peut-être en Dagdagoff. Hein. Moi ça m'étonnerait pas que ce soit comme le mec d'avant niveau stuff. Ouais, il reste vers les portails, ce que je disais là, je peux pas éviter un gros tour. Hein. En vrai, si, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire, ça va être ultra sale. Hein. Alors, comment je peux faire déjà? Là, je crois pas que je puisse vraiment le taper. Hein. Il faut que je garde 7 PA. Ça va faire interruption. Putain, je suis un génie du mal. Bon, en vrai, il peut quand même éclater. Hein, mais c'est juste qu'il va dépenser plus de PA pour enlever les invoques qui sont autour. Il va juste dépenser. Voilà, il va devoir faire intimidation. Du coup, je lui ai mis moins 2 PA en faisant ça, en fait. J'ai utilisé 7 PA pour lui mettre un moins 2. C'est pas mal. Non, par contre, il m'a pas mis les faiblesses avec le bon. Mais il va m'éclater, les gars. Voilà, Drag Drag Off. Les mecs font tous la même chose. Ils jouent aussi avec la même chose. Pareil, c'était sûr. Hein. 1900 dégâts, c'est plutôt équilibré. Nous on est un peu dans le mal évidemment, bah en même temps oui, on est un peu dans le mal, mais c'est pas fini. Par contre vous êtes pas très originaux du coup les gars, parce que si vous jouez tous le même stuff, on va faire Flamichoun, on va lui mettre un petit coup de cac, un gros coup de cac pardon. Allez mange-toi ça dans les dents, ça va te faire du bien. On va faire une petite coalition et on va interruption tout ça. Ah mais j'ai déjà interruption pardon, non c'est ça? Ah non j'ai pas encore interruption. On se casse par où? Par là. Et on ferme tout ça. Pas fini les gars, hein. Franchement, pas fini. Parce que là, ils sortent précis. Je pense que ça va être quand même très chaud parce que là, le tour 5, je peux pas vraiment éviter le kill. Par contre, c'est un copier-coller du mec d'avant. Hein. Genre, vraiment copier-coller. Il a le même stuff, genre, que le FK d'avant. Mais c'est des modes qui sont viables sur bêta contre les mecs qui ont pas de res. Mais, enfin, genre, s'ils croisent un mec qui a des res, c'est pas viable. Hein. Enfin, je me barre loin là. J'ai même pas la libé gros, comment tu veux que je fasse? C'est comme là franchement c'est encore pire que tout à l'heure, hein. Je peux rien faire je crois. Non honnêtement il va me tuer je pense 100% là. Je peux rien faire, hein, on est d'accord. Hein. On va voir ce qu'on peut mais je crois que je peux vraiment rien faire les gars. Là, franchement, c'est la map qui me baisse. Franchement, une grande map, je pense pas qu'il gagnait. Une grande map, je gagnais, mais là, la map, mec, il est au milieu de la map. Je peux aller nulle part, il me touche dans tous les cas. Comment je fais pour gagner? Non, là, franchement, je me fais vraiment niquer à cause de la map. Hein. Honnêtement, j'aimerais bien rejouer contre une grande, sur une grande map, hein, parce que je pense que je gagne tous les jours. C'est ça aussi, c'est pour ça que les Iliotrope sont si nazes en 1v1, c'est parce que les maps, gros, elles font 2 cm. Tu peux pas poser ton jeu. C'est impossible. G2, Deso, chapeau. Putain, mais vous êtes gênant. Allez, tue-moi, mec. Allez, bravo, t'es fort. Ça, c'est les gens qui attendent que tu leur dises GG. Mais mec, on s'en bat les, en fait. Allez, let's go. Un peu salade parce que c'est la map, elle m'a triggered, comme on dit dans le jargon. Franchement, je suis chaud de rejouer contre les mêmes mecs sur une autre map, vraiment. J'ai pas point fulgu, en fait, les gars. Donc, commencez pas. J'ai pas point fulgu, j'ai la variante, les petits beaux gosses. Parce que c'est pomme curative. Oula, oula, oula. Je vais changer de map. Normalement on a trouvé un combat, est-ce que c'est encore un cadre? Non c'est un panda, ouais. Les pauvres petits pandas aussi. Ça, tu vois c'est pas les mêmes games là.
Les pandas, eux, sont pas aussi avantagés. C'est un panda feu, il est en coiffe sécu, mais il a que 3800 HP, c'est bizarre. Encore un mec qui a pas de dresse feu, c'est un truc de ouf, hein. Petit panda feu, comment ça va, les gars? Tonneau, c'est le truc qui soigne, ça, non? Ou celui qui boost, peut-être. Je sais pas c'est lequel des deux. Je crois qu'ils ont la même gueule en plus, non? Attends, il booste ou pas, lui? Ouais, c'est celui qui booste, celui-là, ok. Ok, les gars. Hop, hop. Faut que je mette mes sorts correctement. Parce qu'ils sont pas bien placés dans ma barre de sorts. Viens, je vais te donner 1 milliard. Mais j'ai pas besoin de Kama, mon boss. Ce serait gentil de ta part, hein, mais tu peux les donner au clochard de la map aggro. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai posé mes sorts correctement. On va faire comme ça. Tac, toi tu viens là. Toi tu viens là. Toi tu viens là. Interruption utilise souvent. Ah oui, il y a étirement aussi, putain. Il y a l'étirement. Ah, mais ouais, faut que je jette la variante en plus. On n'est pas obligé de jouer avec étirement. Je pourrais mettre contraction. C'est pas mal, contraction en vrai. Surtout contre Oblard. Ouais, faut que je fasse ça. Peut-être bien que contraction peut faire le taf. Allez, petit panda feu. Il va monter sur le petit bambou ou pas? Non, il sent... mais il est bizarre pourquoi il a mis son bambou ici. Il monte pas dessus. Merde, putain. J'ai mis skin du coup. Mais j'ai putain, je suis trop salé. Non, attends, on va faire ça. Normalement, je vais pouvoir rectifier. Maintenant, je peux même pas en fait. Ah, peut-être comme ça. Non, je peux pas. Je me suis fait vraiment niquer la gueule. Ah, peut-être avec ça. Ouais, je peux. Putain, mais je me suis fait niquer mon tour là. Enfin, bêtement, c'est moi qui me suis niqué tout seul parce que j'ai changé mes barres de sort d'endroit. Bon, alors, du coup, faut que je me rappelle que 1 c'est portail, hein, c'est pas coalition. Parce que là, j'ai fait coalition au lieu de portail comme un bolos. Petit bolos que je suis. Flasque. Pourquoi il m'a pas flasque pour enlever l'ivoire? Il est bizarre. Ah, parce que ok, j'ai compris. Cercle brûlant. Putain, on va se faire niquer par le panda. Ah non, j'ai étirement, j'ai récupéré de la vie, ça va. Là, je crois que je peux faire un bon tour là. Alors, voyons voir. Normalement, j'ai un bon tour là. Ah, il a encore 2 PA. Il a encore fermentation aussi. Ok. Il va rester là, parfait. Ah, mais non, merde, fais chier, attends. Thérapie, ça tire pas de 2K ça? Je sais qu'il troll, hein, je suis pas con. On va se soigner à fond. Ouf, putain, c'est fort. Je peux le tuer peut-être, hein. Non, pas sûr. On va faisceau, ça nous soigne bien, c'est cool. Hop là, Terra Nova. Et je le tacle, ouais. Je regarde ton live. Salut à toi. PTDR, comment tu rages? Tu fais le mec quand tu spams Twitter, t'as pas. Bah, tu viens de répondre à ta question, Bilal, en fait. Parce que c'est quand c'est le début de bêta. C'était bizarre en fait, mec. Je suis en live, bah c'est cool pour toi. L'intérêt de mettre une capuche. Ok, moi j'ai bien les camas. Tu peux lui demander justement. Les dommages de AWS, c'est le 18 mars. Je me suis abonné à Simer Enzo. Wesh Kimbo Slice. Trigger de la prononciation. Oui, non, mais j'ai fait exprès. Hein. Putain, m'arrêtez de me prendre pour un con, non, mais. Faut voir le troll, les gens, quand on fait exprès de faire des faux accents, quand on fait des petites blagues, il faut être subtil. Bon, ça passe, le pauvre panda, il pouvait pas faire grand-chose, il avait pas d'ivoire en plus. Bon, changer de zap là, parce que hop, parce que je vais dans mon petit havresac. Je peux pas aller dans mon havresac, c'est bugué. Ah, l'eau d'offus? Ah merde, ouais, ça bugue un peu. Le 18 mars, hein, j'ai déjà répondu, je crois, non? C'était peut-être pas le même mec qui demandait. Ouais, c'était pas le même. 18 mars, ça commence. Tente le Yop full feu aussi. Non, bah ça sert à rien. Il y a tout le monde qui l'a déjà fait, le Yop full feu. Je pourrais le faire, hein, mais. Ouais, en vrai, je pourrais faire une vidéo dessus, mais je pense que déjà tout le monde qui l'a fait, il n'y a pas trop d'intérêt. On pourrait faire une vidéo dessus. On pourrait, c'est vrai. Mais bon, ce serait juste pour faire un petit kikou, se taper. Mais j'ai vraiment envie de jouer contre le mec, hein. Franchement, si on pouvait le recroiser, mais juste une autre map, parce que là, la map CAC, c'était juste un joueur, gros. Mais c'est ça, si, il faut vraiment qu'ils sortent des nouvelles maps. En fait, ils mettent aucune mise à jour pour le colis, en tout cas, enfin, ils ont sorti le colis depuis, ils ont eu aucune mise à jour dessus. Gros, regarde les jeux qui fonctionnent, il y a des mises à jour toutes les 2 secondes. Je sais pas, rajouter des maps, faites des récompenses. Ils sont pas, je sais pas comment ils fonctionnent en Kama des fois, je comprends pas trop. C'est pas assez, je sais pas, ils travaillent sur quoi, mais je pense qu'ils ont d'autres projets, genre bah, Dofus 3 là. Pff, personnellement, moi ça me tente, enfin je sais pas ce que ça va être, hein, mais
Ça, je vois pas pourquoi ce serait une bonne idée, mais vas-y, tranquille, hein. Peut-être ça sera un bon jeu. Alors qu'ils ont déjà une bonne base, hein. Dofus, c'est bien, mais en fait, ce qui est pas bien, enfin, ce qui est pas bien. Ils sont pas assez actifs dessus, je sais pas, ils bougent pas assez leur queue, quoi. On va peut-être faire interruption quand même, je vais faire focus aussi. Parce que, genre, ouais, les variantes de sort, ils ont sorti ça en 30 secondes, alors qu'il fallait prendre son temps. Mais faut être régulier, genre, parce que là, ça fait 30 ans, ils ont pas fait de mise à jour. Faut faire plus de mises à jour plus régulièrement et mettre des events, je sais pas. Faut vraiment qu'ils s'inspirent des autres jeux, hein, qui fonctionnent, hein. Parce qu'en ce moment, je vous assure que Dofus, c'est pas terrible, terrible, hein. Pourtant, moi, je suis, enfin, j'aime bien le jeu et tout, tu vois. Mais bon, je dis la vérité en même temps. Il y a une ligne de vue là, mais je sais pas si je peux le choper. Il y a peut-être moyen. On peut essayer comme ça, je crois. Je suis pas sûr que ça passe. On va tester, hein. Eh ben non, mais j'ai pas. Oui, si j'ai commotion, donc ça va, je pourrais. Hop là, on est plutôt smarty smarto. On a eu le droit à un super As Kankama sur le colis qui a répondu à peu près sur le point. Ben ouais, je sais pas, gros. Oui, non, mais je dis pas de faire comme Fortnite, c'est le jeu, il n'y a aucun rapport. Mais il n'y a pas que Fortnite, je parle de. Il y a plein de jeux qui font ça, gros. Mais je sais pas, mais. Regarde le colis, gros. Tu fais du colis, mais il n'y a aucun intérêt, genre. Le ladder, faut pas se foutre de notre gueule, tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, ok, tu prends ton screen, t'es content, tu montres à ta famille, après c'est bon, c'est fini, quoi. Je sais pas, faites des récompenses, faites un titre. Le mec, il finit les colis, il a un titre super stylé en mode, je sais pas moi, top 1 ladder de 2017, 2018. Je sais pas, de la merde, toi, mais juste ça, bah les mecs, ils seront contents d'en faire. Je déconne pas, hein. Est-ce que je peux le choper de là? Non, mais on peut le choper comme ça, je crois. Avec une commotion comme tout à l'heure, on va faire un parasite. Gros, là, on fait du colis, mais. Enfin, c'est toi, ça va. Ça me va parce que je m'améliore. Enfin, je m'améliore. Ça m'entraîne et tout. Mais il y a des gens, à mon avis, s'ils font pas de vidéo, les mecs, ils doivent se faire chier, quoi. En plus, moi, ça va, je fais toutes les classes. C'est pour ça que je reste sur le jeu, parce que je change de classe toutes les semaines. Donc, moi, ça m'amuse bien, parce que voilà, je teste vraiment toutes les classes. Je change de stuff, je change de stats, je change de variante de sort. Donc, moi, tu vois, en fait, je me mets mes propres défis, en fait. Moi-même, je mets mes propres défis, je me mets des petites difficultés, je me mets voilà, des petits challenges pour justement rester un peu. Laisser de l'intérêt au jeu, quoi. Parce que sinon, putain, gros, je te jure que ce serait chier, hein. Bon, portail 3 qui sort là. C'est un peu la merde, hein. En vrai, je peux peut-être le brimade, en vrai, tout simplement. Est-ce que j'ai brimade? Oui. Comment ça tape fort cette merde? Il a du tacle. Je sais pas quel élément il est, on va le coller. Alors, il y a juste la bêta qui est marrant. Bah ouais, voilà. Top 1 ladder encadré au-dessus du lit. Ouais, mais même, je suis sûr que un titre, mais même des récompenses, je sais pas, des ogrines. Je sais pas moi. Mais là, gros, un ladder, tout le monde s'en bat avec. En plus, le truc est à moitié buggé. Tu fais pas du colis pendant 30 secondes. Des mecs qui t'enlèvent du ladder. Même pour, je parle du PVP, mais il y a le PVM, c'est la même chose, gros. Le PVM, je gère tout le jeu avec un SRAM solo. Enfin, j'abuse un peu, mais dans l'idée, c'est quasiment ça. Toi, Bissal, je gère avec un SRAM solo. Ça, c'est où est la difficulté? Enfin, moi, ça m'arrange parce que je fais des camas avec ça, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas très fun. Bon, là, je le tue même sans portail, en fait. Je sais même pas pourquoi je me fais chier avec des portails, en fait, hein. Sauf si je crit pas. Enfin, même sans crit, je crois qu'avec un parasite, ça passe. Ouais. Bah voilà, le PVM c'est pareil, on se fait chier. Moi, je dis mon ressenti. Moi, ça va, tu vois. Moi, je fais tournoi DDWS et franchement, c'est ultra intéressant. C'est un gros point fort, bah, en tout cas, moi qui. Franchement, les drafts, même si en ce moment, je joue pas beaucoup parce que j'ai pas trop le temps. Les drafts, les gars, c'est vraiment ultra intéressant. Mais tu vois, les drafts, faudrait qu'ils fassent un mode de jeu où tout le monde puisse en faire. Parce que là, mec, si t'es pas sur serveur tournoi, tu peux pas en faire. Hein. Pourtant, c'est vraiment super bien, quoi. Tu changes de compo tous les matchs. T'as des surprises à tous les matchs. C'est vraiment super intéressant. T'apprends plein de choses en très peu de temps. C'est vraiment excellent, mais les drafts par exemple, bah, c'est que réservé à une toute petite communauté, mais que c'est réservé à quoi? À 8 équipes là en ce moment. Les autres ils peuvent en faire, mais sur bêta, enfin voilà, faut pas se foutre de notre gueule quoi. Je sais pas, faut vraiment qu'ils. S'ils veulent faire quelque chose avec Dofus 2, bah, il faut qu'ils se bougent le cul, parce que moi je trouve que. Pff, ça, franchement, ils ont une bonne base, hein. Dofus c'est pas un mauvais jeu, mais. Je sais pas, ils pourraient faire mieux, ils pourraient faire mieux. Tu vois, c'est des efforts ce trimestre sur le bulletin en fait, c'est ça, c'est marqué ça sur leur bulletin. Mais tu vois, c'est 11 de moyenne, 12 de moyenne. Des efforts ce trimestre peut mieux faire. En ce moment, c'est ça en tout cas.
On va terminer où? On va reculer un peu. Le Yop, t'as MP gros. Il m'a dit quoi? C'est le Yop de telle heure, tu veux jouer grande map? Non mais t'inquiète beau gosse. Si on se recroise, on se recroise. Sinon je vais pas faire le kikou. Si t'as gagné, t'as bien joué, y'a pas de problème beau gosse. Y'a pas de souci mec, c'est mérité ta win. Hein. Juste que sur une autre map, ça serait un autre combat. Mais on va attendre, on se recroisera peut-être. Avec plaisir. Alors il met les deux bombes. Mais là, je peux faire un move de ouf, un move de ouf. Je fais un peu le forceur. Attends deux secondes, je regarde un truc. Faut que je le mette là. Et je fasse comme ça. Si je fais ça. Putain, ma gueule de cul quand je réfléchis. Pardon. On va faire ça. Oh là là, je suis vraiment mes 30 000 de cul là, les mecs. Allez, à plus dans le bus, les bonbombes. On va interruption quand même. Ah merde, j'ai plus de pierre. Pas grave. Bienvenue à tous sur le live, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, franchement abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et si vous aimez Fortnite, j'ai sorti une petite vidéo sur Sape 2 tout à l'heure, donc la chaîne dans la description je crois. Sur Sape 2, une petite vidéo Fortnite, voilà. Pour ceux où ça intéresse, hein, c'est vraiment bonus. Allez checker ça. Donc on parlait de quoi? Aucun rapport, mais Helios Ram, c'est toujours hop. Ouais, faut envoyer en cama au conseil de classe pour mauvais bulletin. C'est quoi de la draft? C'est en gros, t'as toutes les classes du jeu, et après tu bannes et tu piques des classes. C'est-à-dire que t'as toutes les classes disponibles, et en fait, pour faire du 3v3, tu vas par exemple choisir de prendre l'Eneripsa. Eux, ils vont prendre l'Osamodas, toi, tu vas prendre le Yop, machin, et c'est super intéressant parce que t'as jamais deux matchs identiques quasiment. Après, des fois, ça arrive, mais même en fait, même si t'arrives à faire deux fois la même compo, le match sera différent parce que on va souvent essayer de changer de stuff, changer les éléments des persos et tout. C'est vraiment ultra, ultra cool. Alors, j'ai la contraction. Je vais crever par contre. J'ai fait le beau gosse à me mettre dans les bombes, mais là, il peut facilement me mettre dedans et faire dernier souffle. Hein. Parce que là, je suis un peu con quoi. Bon, au moins, on aura fait un beau move. On a fait un beau tour, mais je vais peut-être crever. Hein. On va voir. Pas sûr, parce que j'ai quand même des réserves ça. Putain. Pourquoi il fait un tromblon? Mais fallait me tuer, beau gosse. Moi, je pensais qu'il me tuait, j'avoue. J'avoue, je pense pas qu'il me tuait. Je finis mon combat. Après, j'ai lu le chat, les gars. Parce que j'ai vu qu'il y avait des messages intéressants dans le chat, mais j'ai encore qu'un seul écran. Quand je serai riche, je mettrai. Je m'achèterai un autre écran. Non, en vrai, je vais pas tarder à m'en acheter un. Faut juste que je trouve le bon. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il va pousser là-bas. Ok. Ok, ça va. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Sram magie, tu solo tout, oui. Tu as déjà testé Sram O, mieux tapé? Non, j'ai pas testé Sram O. Enfin, mieux tapé, non. On est quasiment 1000, les gars. C'est vraiment triste qu'un Kama fait d'office, on dirait. Ah, mais je sais pas. Mais parce que Tot, il a d'autres projets. Il travaille sur Dofus 3. Pour lui, il y a que ça qui compte. Après, je comprends, ce sera peut-être un très bon jeu et tout. Mais bon, si Dofus 2 est en pente, je vois pas pourquoi les. Enfin, ça va être hype au début. Putain, bien joué ça. Très bien joué ça, il avait fait un tour moyen, un tour d'avant, mais là il a plutôt bien géré. Est-ce qu'il va pouvoir me tuer? Il peut hein. Il fait une cadence, je suis mort. Bah il aurait dû, parce que là je meurs pas. Eh hey, il a troll un peu, il aurait pu me tuer. Alors que là je pense que je tank et derrière à mon avis je fais le kill. Eh hey, c'est dommage, il avait vraiment fait un bon tour. Bon je vais faire un test, je sais pas si ça le tue. Oh là là, le joueur français qui fait le kill. Non, honnêtement, il pouvait gagner. Hein. Je sais pas pourquoi il a mis sa bombo, il aurait pu me cadence. Après, est-ce qu'il me tuait? Ouais, je pense qu'il me tuait avec cadence. Hein. Dommage, il avait franchement fait un beau tour là. Hein. Franchement, pas mal. Parce que le tour d'avant était un peu naze, mais là, c'était pas mal. Dofus 3, comment j'en ai rien à branler? Ah, oula, faut pas être méchant comme ça non plus. Hein. Ça peut-tu nous faire un tuto solotage Gisèle? Alors, un tuto, non. Enfin, non. De toute façon, je solote plus, ils ont énervé. C'est quoi le prix de tes passages? C'est écrit dans la description, mais en ce moment, je les fais pas en fait. Parce que en ce moment je peux pas jouer PVM, j'ai pas le time, j'ai les cours qui sont assez intenses. Jusqu'au 17 mars, j'ai assez violent niveau cours, après je vais un petit peu reposer et après ça sera mieux.
Event, puis souvent des mises à jour, résoudre les bugs, machin. Ouais, bah, il y a plein de trucs à faire, hein. C'est quoi Dofus 3? Bah, c'est va être un futur jeu, apparemment, qui devrait. Je sais pas si ça va bientôt sortir ou pas. Je les lis pas, les articles perso. Je sais que toi, tu mets des articles, mais. Putain, les mecs, ils plagient mes pseudos aléatoires, quoi. Mais je les lis pas, hein. Ça m'intéresse pas plus que ça en vrai, hein. Moi, imaginons, je vous dis un truc, hein. Imaginons. Dofus 2 venait à couler parce qu'il y a Dofus 3. Bah, je pense que j'irais plutôt jouer à Fortnite ou d'autres jeux, hein, peut-être qu'il y aura d'autres jeux après, que aller jouer à Dofus 3. Sauf si c'est vraiment génial comme jeu, hein, c'est possible aussi. Hein. Ça peut être un jeu génial, Dofus 3, hein, je dis pas l'inverse. Hein. Mais perso, moi j'irais, tu vois, j'irais plutôt sur un autre jeu que aller refaire du Dofus 3 ou je sais pas quoi. Sauf si vraiment il y a un concept incroyable, mais bon, est-ce que ça va être le cas? J'en sais rien. Coalition. Petite parasite des familles ou pas? Allez, petite parasite des familles. Pouh, ça tape fort les gamers. Tu ressors l'héliotrope, oui. Il a du tacle? 82, ouais. Mais de toute façon, on a de contraction, donc c'est bon. Il y aura un équilibrage des classes pendant les DDWS, normalement. Pendant, les gars. Enlève ta cam, c'est nul. Merci, Franck. Ça fait plaisir les commentaires. En plus, c'est pas comme si la cam était au milieu de l'écran, elle est dans l'espace noir, tu sais. L'endroit qui dérange absolument personne. Tu peux mettre un post-it sur ma gueule si ça te dérange, mon pote, hein. Pour toi, la meilleure classe PvE d'office en ce moment, c'est quoi? Je sais pas, peut-être ça dit. Non, franchement, je sais pas, mec, ça veut rien dire en fait. Meilleure classe, ça existe pas. Enfin, il a Bastion? Ok, il a Bastion. Il n'y a pas meilleure classe, machin. Hein. Toutes les classes peuvent être fortes, ça dépend de comment tu les joues et tout. Donc, il n'y a pas de meilleure. Pour moi, hein, c'est mon avis. Hein. On va se cabale aussi, on va se focus. Hop, hop. Interruption. Merde, je suis con, bah, du coup, ouais, je suis débile. Hein. C'est pas grave, on va partir par là. Hop! Je vais faire un crowdfunding pour dev, un jeu tactique 3D isométrique. Tu veux peut-être faire un crowdfunding pour m'acheter un écran, un deuxième écran aussi. Non, j'en ai vu un, il coûte 200 euros. Donc, ça va, en vrai, 200 euros, ça va. Je pense que je vais me l'acheter, il faut juste que je me bouge le cul. Enfin, 220, je crois, Zik. Je sais pas s'il y a encore la Zik. Les phases finales des WS, le championnat, c'est dans 2 semaines. Putain, ouais, c'est dans 2 semaines pile. C'est-à-dire que là, dans 2 semaines et dans 5 heures, je suis en train de jouer. Aïe! Est-ce que je suis prêt? Non. Après, c'est pas. Ça va être chaud de refaire aussi bien que la dernière fois, parce qu'on a vraiment pas le temps de s'entraîner en ce moment. Mais on va tout donner, vous inquiétez pas, les gamers. Du coup, j'ai pas étirement, par contre. Hein. On va faire ça. On va faire ça. Je fais gaffe, il a des protections ou pas? Oui, il en a. Putain, il va pouvoir me taper dans le portail par contre. Pas grave, hein, tant pis. Match de barrage ce soir, ouais. Parce que c'est un écran 144 Hz, c'est tout, je crois, qu'il me faut. Les DWS, c'est le dimanche soir et le lundi soir. Donc j'espère que vous serez là pour soutenir la team. Hein. Même si on fait des fails, les gars, faut pas nous tailler, faut soutenir même si on fait de la merde. Dans les moments durs comme dans les bons moments. Enfin, si vous êtes pour nous, hein. Si vous êtes pour les autres, faut soutenir les autres. Hein. Ouais, y a pas de problème. Hein. Je suis pas un dictateur. Hein. Bah, par contre, là, regardez. Pourquoi l'héliotrope est devenu pas mal contre les FK, surtout en 3v3? Parce que tu fais contraction et le mec il dégage. Tu bouges de là, s'il te plaît, mon pote. Le gravitage, je connais pas, beau gosse. Allez, hop, bonne soirée. T'es tellement balèze, ça, quand même. Franchement, c'est vraiment cool. On va reculer 2 cases, je crois. Nickel. Putain, comment je kiffe le trop, même. Franchement, c'est tellement doux comme gameplay en 1v1. En tout cas, là, comme ça, pour les petits live chill, c'est vraiment excellent. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, si vous n'êtes pas abonné, que vous n'êtes peut-être même pas de compte YouTube ou quoi, je vous invite à en faire un, à vous abonner et tout. Vraiment, si vous aimez bien ce que je fais, hein, évidemment, si vous aimez pas, pas besoin, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Alors, il a fait quoi là, la barricade? Bah, il a plus de protection là où je le tue tous les jours normalement. Cric cric, aïe. Ah bah non, on n'a pas tué. Allez, on tue à la flamichoune. Go Fortnite après, ouais, on ira sur. Enfin, j'irai pas en live, mais je vais aller sur Fortnite après le live. Allez, on enchaîne les colis. 4500 de cote hein, sur la bêta, c'est pas mal. Hein.
Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ah, aussi, il faut un autre écran pour pouvoir lire le chat. Hein. Parce qu'après, j'aurai mon petit écran pour jouer, le deuxième écran. Vous pourrez m'insulter ma race pendant que je joue. C'est plutôt pas mal, non? Eh ouais, on est malin. On est malin, nous. Quand tu joues à Fortnite, tu drops tout le temps à Tilted. Non. Non, non, on drop un peu de partout. Pourquoi aucun cra? Puisque c'est une classe de merde. Enfin, j'aime pas du tout cette classe. Ça va être une des classes que j'aime le moins. En vrai, elle est jouable et tout, mais je suis pas fan, quoi. Et en Kama, il faut qu'il gagne un nouveau joueur, mais bon, c'est pas les jeux à la mode, en fait, les MMORPG. T'as tes yeux démontés. Non. Non. J'ai 10 sur 10 aux deux yeux, je vois super bien. Pas de lunettes, et eh oui. Let's go. Ça va être encore un coup d'un Yop qui joue Dark Dragoff à tous les coups, et comme par hasard, c'est une map cac encore. Ah non, c'est pas un Yop Dark Dragoff, ça va, c'est un Yop en mode terre. On va voir ce qu'on peut faire contre lui. Ça peut être sympa. Il est full terre, et moi, combien j'ai de reste terre? 7%. Yes, c'est beaucoup. C'est pas mal. Il y a WS Summer Edition 2018. Ouais, normalement oui. Arrête de fumer, j'ai jamais fumé de la vie. Hein. Je veux dire, t'as l'air fatigué. Ah non, franchement, ça va. Franchement, non, ça va. Je suis pas, franchement, je suis pas fatigué. Des fois, je suis vraiment fatigué, mais alors là, vu que je suis en week-end, ça va, c'est tranquille. Bon, on fait quoi, nous, les gamins? Les gamins. Non, je voulais pas dire ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On va faire ça. Ouais, ça sort bien. On va aller là. Enlever le petit Dofus. Il en est bulle ou pas? Non, ça a pas l'air. On va interruptionner. T'as jamais fumé de joint? Non, mec, j'ai jamais, mais jamais rien fumé, gros. Je sais pas ce que ça fait. Genre, vraiment, juste que je sais que ça pue sa mère. Enfin, les clopes, en tout cas. C'est dégueulasse. Il y a les mecs qui sont là, ils fument et ils boivent du café. Comment vous puez votre race? Je suis désolé, hein, mais c'est tellement vrai. J'ai jamais fait aucun. Ben, le café c'est pareil, c'est dégueu. Bon, le café j'ai déjà goûté, hein. C'est pas un truc de ouf, mais putain il va one shot le mec. Le café c'est pas un truc de ouf, tu vois, mais enfin c'est dégueu quoi. Enfin je suis désolé si vous aimez bien, hein. Moi je vous donne mon avis. Hein. Alors on va aller par là. Putain il fait chier avec son Dofus là. On va se faire une petite coalition. On va se soigner. On va interruptionner tout ça. Il a des vita ou pas? Non, il va sûrement relancer une là. Putain, faut jouer conjuration, puis c'est putain de bien comme ça. Hein. Là, c'est carré avec le combat d'avant contre le Yop. Hein. Là, je peux pas éviter son gros tour, c'est trop chiant. Je peux pas éviter son tour, ouais, c'est un truc de ouf. Dans tous les cas, je me le prends dans la gueule. Hein. C'est un peu problématique. Là, il a gagné parce que je peux pas tanker quoi. Ah ouais, je peux pas le tuer, je pense. Il a la vita et tout, ouais, je peux pas. Je peux même pas le debuff, je crois que j'ai pas la variance. Tu vois, c'est chaud parce que l'IOP, franchement, sur une grande map, je vais jamais perdre, mais là, je peux juste pas gagner, je pense. Hein. On va quand même tester d'interruption et de se barrer si j'ai le temps. Ah, j'ai pas le temps. Bon, ouais, je suis mort à 100%. Ouais, bien joué à lui. C'est pareil, franchement, pour moi, c'est juste la map qui me fait perdre sur une grande map. À mon avis, je peux gagner facilement. Mais là, la map, en fait, je peux pas prendre de distance parce que le mec, s'il reste au milieu, dans tous les cas, il pourra me toucher. Après, je pense qu'il y a moyen de le gagner quand même. Hein. Je suis pas un expert Heliotrope non plus, mais là, il me termine tous les jours avec Fureur. Quoique, franchement, pas sûr qu'il me tue. Mais j'aurais dû jouer plus. En fait, franchement, si j'avais bougé là, c'était sûr que je gagnais. Mais là, il va me tuer, je crois. Ah, pas sûr. Ah, ok, il m'a même pas tué, putain. Par contre, je sais pas si je le tue non plus, hein, parce que là, c'est pareil, c'est chaud. Parce qu'il perd pas de vita. C'est juste, je peux pas le tuer, je pense. Parce que je suis taclé, quoi. Je perds 2 PA au détacle. Ça peut valoir le coup de détacler. Faut que je me décide sur quoi faire là parce que je bégaye un peu. Pff, on va taper à l'ancienne. Hein. On va taper à l'ancienne. Faut que je crit, hein, sinon je le tue pas. Oh, bah, ah bah non, faut... non, mais je le tue pas non plus. Bah bien joué à lui. Oh my bad, je crois que j'aurais pu le tuer là. C'est pas grave, bien joué à lui.
Je m'y bats parce que je crois que j'aurais vraiment pu le tuer avec les portails, mais j'ai. En fait, le truc, c'est que vu que je suis pas en mode transparent, j'ai pas vu c'était le. Ah, c'était le 4, ok, bon, ça va. Parce que je voyais pas le numéro de ce portail-là, c'était le 4, donc ça va. Dans tous les cas, je crois que je pouvais pas trop. Pas grave, en tout cas, les deux défaites, c'est contre des Yop et sur la même map, ça va bien dire. C'est quand même un petit peu à cause de la map, je pense. En plus, ça va, il a un Dofus Ivoire, c'est pas comme si c'était une merde qui était pas au petit, hein, ça va. Je suis pas mécontent non plus, ça va. Avec un petit peu plus de rester, j'aurais pu vraiment. Attends. C'est quoi là? Roublard. Allez, Roublard, c'est sympa, duel contre. Franchement, j'aime bien. Putain, j'ai initiative de merde. C'est quoi ce bordel? Je commence jamais. Pourtant, je suis pas en ceinture sécu, moi. Bah, si, c'est bizarre. Putain, putain, elle est mal FM. Enfin, elle est FM puissance piège. Mes items, ils sont FM puissance piège, bordel. Matez-moi ça, j'ai pas combien d'over puissance piège. C'était pour une vidéo qu'on avait faite sur le train de feu. Mange t'es mort, David. Salut. Ah, y a Marianne, je crois, qui était sur mon compte. Sab, quand le tournoi commence pour vous, tu streameras. Non, on n'a pas le droit de streamer. Interdit par la loi. Non, c'est vrai, en plus. Putain, il est encore en ivoire, lui. C'est un mec feu, ok. Un mec feu, j'ai dit. MDR, mec feu. On va faire ça. On va essayer de niquer sa bombe. Bon, ce sera fait. J'espère que je la tue. Crit? Non, je la tue sans crit. Ok, nice. En vrai, Sap, t'es pas d'accord que si un camarade détruit Dofus et n'essaie pas de le sauver, personne n'ira tout recommencer sur Dofus 3. Oui, bah il n'y aura pas grand monde sur Dofus 3 dans tous les cas. Hein. Libé, et tu tapais à travers le portail? Non, c'est possible, j'ai pas fait gaffe, honnêtement, c'est possible, les gars. Bah je réfléchissais, mais. Vous avez sûrement raison. Après, avec 9 PA, les gars, il y avait des Dofus Ivoire, je suis pas sûr que je tuais. Hein. Parce qu'il avait quand même mis 300 HP et le Dofus Ivoire, donc avec 9 PA, ça me paraissait quand même compliqué, les gars. Mais vous avez peut-être raison, hein, mais. C'était pas sûr, en fait. Honnêtement, après, il fallait tenter, c'est sûr. Et j'ai tenté le coup à l'arc, c'est pas passé. Mais sa bombe terre ici, c'est chelou. Ah, c'est pour protéger des portails, je pense. Là, faut que je prenne de la distance encore. On va partir par là. Il est full feu, il peut me faire très mal très rapidement. C'est le pire counter du robot, bah, peut-être pas quand même. Mais c'est pas mal, c'est clair que Héliotrope contre Roublard, c'est sympa. Par contre, j'ai pas le sort de debuff, c'est un peu chiant. Stratagème, il joue. Stylé. Il va aimanter et mettre sa bombe feu. Plutôt bien joué. Dommage que j'ai pas le sort de debuff, hein. Parce que sinon je l'aurais debuff et j'aurais direct mis dedans. C'est à la place de quoi le sort de debuff? Fais voir. C'est Putain, je suis mort en fait, non? Peut-être pas encore. Comment ça s'appelle ce sort déjà? Camouflet, voilà, c'est ça. Alors. Ah bah en fait il est mort lui. Comment ça se fait qu'il ait si peu de HP? C'était bizarre ce combat, j'ai pas tout suivi. 8 sur 10. J'ai ma moyenne, j'ai mon bac. Ouais, mais je joue pas avec point fulgus, je joue avec la variante. Point fulgus, c'est deux cases, et si ça fait un portail, c'est quatre cases. Les WS Winter, c'est le 18 mars. 18 mars, les gars. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous, vraiment. Un Osamodas. Non, Osamodas, honnêtement, ça peut se faire facilement. S'il est pas trop de res, ça peut se faire. Il y a quand même des gens qui jouent Ossa sur bêta en 1v1, mais je sais pas, mais. Enfin, vous faites chier, non? Parce que. Alors, le gameplay Osama, c'est quand même un peu. Enfin, c'est pas. C'est un peu ennuyant, quoi. Enfin, bref, c'est pas grave, hein, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il va me prendre l'initiative? Attention. Eh ben non, il me l'a laissé, il est très gentil. Il a un ivoire quand même, hein. Ça va pas être facile, facile. Non, moi je reste sans portail, ça fait de chiant sinon. Bon, il a un Dofus Ivoire, mais il a pas trop de res feu, donc ça va. Est-ce que ça. Je sais pas si je fais une vidéo sur l'héliotrope feu, mais j'en ai fait il y a pas longtemps avec Daisy, mais. Parce que j'aime vraiment bien, donc je pourrais peut-être faire une vidéo dessus de 15-20 minutes. Mais ouais, je sais pas trop, pas sûr que je la fasse, on verra.
C'est ce soir le barrage. Il y a les dons pour se faire des camas. Ça dépend. Moi, je faisais des camas avec du passage de donjon et c'était. Les dons, j'en ai eu. Mais même sans les dons, j'aurais eu des camas, quoi, tu vois. J'ai eu un don de 150 millions sur Lofi. Mais enfin, si je l'avais pas eu, gros, au lieu d'avoir 600 millions, pardon, j'aurais juste eu 450. Bon, voilà, c'est pas. C'est déjà pas mal, quoi. Mais effectivement, enfin, je vois ce que tu veux dire. Hein. Putain, il fait chier son bouffe-tout là. Justement dans la merde là. Je suis en PLS contre ça. Il faudra que je prenne de la distance, mais c'est galère. Hein. Il m'a bien rush. Putain, j'ai pas de raise en plus. Ta commune t'a permis de bien farmer les passages aussi. Ouais, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. J'ai combien de côtes? 4500 là actuellement. Il va pas pouvoir taper son bouffe blanc aussi. 3 PM, je crois pas qu'il puisse. Attends, là j'ai plus que 2600 échange P. Quoi? C'est classe et plutôt bien équilibré. Mec, mais même son putain de ça, il m'a tapé 1 milliard là, comment ça se fait? Wouah, putain, son placement d'enculé, je peux rien faire. Mec, je. Putain, mais. Wouah, j'ai le totem, mais putain, mais c'est full dèche quoi. Quel bâtard. J'ai mal joué, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Bon, ça, il me tue, il me tue, il me tue. Putain de bâtard, regardez comme il tape fort. Mais j'ai mal joué là, franchement, mon tour était pas mal, mais j'ai pas eu le temps de le faire bien au final. Bon, là, je suis mort, les gars. Putain d'ossa de merde, mais j'aurais dû prendre plus de distance. Au lieu de dessiner des bits avec mes portails là, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je suis sur Hush. RIP, franchement il me tue pas de beaucoup hein. Il me tue de très très peu hein. Après je suis gagné en plus. Ah putain, il y a 200 points de vie près. Si j'avais pas, en fait, si j'avais pas fait offense, j'avais fait faisceau, j'avais gagné. Dommage, dommage, dommage. Parce que là j'ai bégayé, j'ai fait au raccourci et du coup là, là j'ai lancé une offense. Fallait que je lance, faisceau. C'est pas très grave hein, mais bon. Ça serait passé je pense hein. Putain, mais j'ai jamais initiative dans ce jeu, c'est quoi ça? Je vais le tuer easy, PTDR, t'as rien fait du tout. J'ai pas compris, mais oui, si tu veux. Putain, y'a que des officiers morts aujourd'hui, c'est un truc de ouf, même le Sadara, il en avait un. Nice. C'est pas grave les pouces bleus sur le live. C'est surtout que les gens qui sont pas abonnés, ils s'abonnent, ça me fait plaisir. Puisque les pouces bleus, c'est pas grave les gars. Si vous en mettez pas, je vous en veux pas. Mais ceux qui sont pas abonnés, s'ils s'abonnent, ça me fera plaisir. C'est juste spam, hein, je spam. Putain, mais il a un full Glorson en fait. Putain, mais il est moins 3 PM le bâtard. Et il me fait une aide de taux. Bon, ça à la limite, c'est pas trop grave. Là, je peux pas vraiment taper dans les portails, je pense. J'ai mal joué ou pas là? Oui, un peu. On va taper à l'ancienne en brute. On va se garder un petit portail pour repartir là-haut. On va lui mettre.
Merde, je suis con. On va faire quoi du coup? On va lui mettre un parasite, hein. Là, on a pris de la distance, c'est bien. Bon, sauf que prendre de la distance contre un cra, c'est pas le mieux qu'il y a à faire, mais bon. Il est en Nébulax, il va nous éclater notre gueule. Pupu moins 1500, allez, on adore la vie. Par contre, il est vers le portail là. Aïe, ça va, ça va. Oula, oula. Pourquoi la carotte? Allô? Oups, oui, oups. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça arrive, hein. Alors, on fait quoi du coup? On va aller là-dedans, on va faire du classique, hein. Parfait, regarde, on est à la zone soin, on va bien se reconce. Il peut taper dans les portails là, je crois. Je crois que c'est un peu la merde, il peut faire que l'harcelante, je crois. Ton avis sur le tweet de Dofla par rapport à Fortnite Dofus? J'ai pas fait gaffe son tweet. Dofla, il tweet souvent de la grosse merde, donc il faut aller voir. Pardon, Dofla, je t'aime bien. Je t'adore, Dofla, pâté, t'inquiète pas. J'en étais où là? Salut, ça peut être sur bêta. Ouais, je suis sur bêta. Yo, Lion Atlas. Je te donne mon FB, tu vas voir que je suis bien plus riche que tes parents. Mais on s'en fout. Enfin, oui, si tu veux, mais c'est bien. Alors. Je suis pas sûr que ça va marcher tout ce que je fais là. Si, c'est pas. Bah, ouais, non, en fait, non, parce que c'est mal posé, mais. Je peux mettre juste des faisceaux, c'est déjà pas mal en vrai. Oula, il y a beaucoup de pupus là. Je sais pas si je vais tanker. C'est quoi ton sub 17 sur 20 en haut à droite? Ah bah d'ailleurs on est passé à 18 normalement. Bah c'est le nombre de sponsors à la chaîne les gars. Les sponsors c'est ce qui permet d'avoir les petites émotes, c'est pour me soutenir en fait. Ça coûte genre 5$, c'est comme sur Twitch tu sais. Et du coup t'as les petites émotes et tout. Voilà, c'est vraiment pour me soutenir. Mais pour soutenir, il y a aussi les subs, enfin l'abonnement basique, genre. Attends 2 secondes, je finis mon tour, après je vous réponds. L'abonnement basique en mode. Tu t'abonnes à la chaîne gratuit, quoi. Bon, c'est bon, gagne ce cra, parfait. Attends, je joue quand même contre beaucoup d'officiers, hein, c'est plutôt cool. Hein. Et on s'en sort pas trop mal, hein, parce qu'Héliotrope, c'est pas une classe simple. Mais PK 17 sur 20, bah parce qu'à 20 on débloque des nouvelles émotes en fait. Et du coup bah c'est comme si c'était un petit objectif quoi tu vois. Merde mais j'ai fait. Attends, annulé. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ok. Voilà c'est ça en gros. Dès qu'on est à 20, je débloque des émotes. C'est un nouveau palier, c'est tout, tu vois. C'est comme si j'avais mon bac au final. Merde, j'ai pas accepté les colis. J'ai pas suivi là, y'a un colis ou pas? Non, apparemment y'a pas eu de colis en fait. C'est-à-dire quoi, Helio Chill? Bah c'est-à-dire qu'on se prend pas la tête. On essaie en tout cas de pas se prendre la tête. Dégage du live, frère. Vous voyez, je le vis, hein. On va le bloquer temporairement. Mais ça, je comprends pas. Les mecs. Enfin. Genre, il est là pour. Bon, soit il troll, soit vraiment il a le seum. Mais pourquoi tu viens passer ton dimanche après-midi sur un live que genre t'aimes pas? Enfin, mec, je sais pas, moi, dimanche après-midi, j'ai 1 milliard de trucs à faire. Je vais pas aller sur un live d'un mec que j'aime pas pour aller parler. Enfin, je sais pas, va chercher un truc à faire. Je sais pas, va faire de la pâtisserie. Va aider ta maman à faire les courses. Je sais pas, fais des trucs gros. Merde, je me suis pas inscrit en fait. Ah bah c'est bien ce qui semble là, j'ai pas accès. Mais bizarre, j'ai pas vu la notif. Bon, c'est pas grave, on va attendre 5 minutes. Bah du coup, je vais lire le chat pendant 5 minutes, les gars, tant qu'on n'a pas trouvé de colis. On se prend pas la tête, mais t'étais salé il y a 20 minutes. Et oui, c'est ce que j'ai dit. On essaie de pas se prendre la tête. Mais évidemment, des fois, tu rages parce que t'as pas fait le bon jet que tu voulais. T'as pas. Ce mec, c'est un jeu, hein. Mec, si j'étais là et qu'il n'y avait pas d'émotion, on serait chier aussi. C'était. Des fois, enfin, rager, c'est pas que négatif, hein. Rager, ça veut dire, je sais pas, le. Te dire plein de choses.
va aider à faire ta mère les courses un dimanche. Bah mec, il y a des magasins qui s'ouvrent le dimanche, hein, dimanche matin et tout. Il y a même des magasins qui s'ouvrent le dimanche après, moi. Yo Albatros, comment ça va? Wesh Pierre Chanibi. Il a 23 ans, tu parles de qui? Moi j'ai pas 23 ans, mais je sais pas si tu parles de moi ou quelqu'un d'autre. L'ancienne vidéo en vélo, ah ouais c'était cher drôle ça. Mais j'avais 13 ans gros, non j'avais pas 13 ans. Vidéo en vélo, j'avais 15 ans je crois. Là j'ai quoi, j'ai 20 ans? Là on est en 2018. Ouais c'était 2013 hein. J'avais 15 ans gros geek. Faire les courses en dimanche, bah mec y'a des mecs qui font leurs courses le dimanche, je te dis quoi c'est vrai. Double anotamie c'est possible, ouais ouais. Les anneaux, tant que c'est pas la même panoplie tu peux en mettre deux hein. Je sais pas si j'ai deux autres anneaux par exemple, je peux te montrer. Bah regarde, Alliance Email par exemple, c'est pas une panoplie, je peux mettre les deux. Bon, je vais pas le faire parce que j'en ai rien à branler, mais tant que c'est pas dans une panneau, tu peux en mettre deux. Si c'est dans une panneau, tu peux pas. Tu penses quoi de Office Cube? Bah, je sais pas. J'ai pas suivi en fait d'Office Cube, le petit cube de Dofus. Salut mec, je m'abonne. Merci à toi, Medmed, pour ton abonnement, ça fait plaisir. Yo ça, bien ou quoi, en fouillant sur ta chaîne, j'ai vu une playlist avec des musiques de films ou un truc du genre. Vu que tu fais des études en audiovisuel, tu pourrais dire ce que tu préfères. Ouais, mais où t'as vu une playlist de films? Attends, je vais aller voir. Sur quelle chaîne? Oui, c'est possible qu'il y ait une playlist, mais je vois pas trop où. Les films que je préfère, je sais pas, gros, j'en ai vu pas mal, mais préfère, c'est dur à dire. Hein. Petit film, on avait déjà parlé de ça en live l'autre fois. Si tu veux un bon petit film français ancien que j'aime bien, Pierrot le Fou, mais c'est chimique, hein. Enfin c'est chimique, c'est juste un vieux film quoi. Mais c'est chimique, quoi, effectivement. Après, je sais pas, il y a plein de films que. Je n'ai pas vraiment un préféré, genre. Enuter, Airfeu ou O1v1, je sais pas. Tu penses quoi de Wakfu? J'ai jamais joué à Wakfu. Il est où le lien pour sub? Ça dépend, parce que t'as les subs. T'as le sub gratuit, donc c'est le sub de YouTube, comme quand tu t'abonnes à n'importe quelle chaîne. Et t'as le sub sponsor. En fait, sponsor, ça c'est quand même sur Twitch. C'est l'abonnement payant. Enfin bon, après, ça coûte pas un milliard non plus, mais ça c'est vraiment si t'as envie de sponsor une chaîne, c'est-à-dire tu veux soutenir la chaîne, hein, c'est tout. Et puis t'as des petits avantages et tout, mais ça c'est vraiment pas obligé, ça, je me répète. Hein. Bon, on va peut-être pouvoir tenter le colis, non? Combien de temps il reste? 8 minutes 14. Ah, y'a pas un match de Lyon dans une heure, si je crois bien. Hein. Ça te manque pas l'époque de Majestic, j'ai encore des souvenirs avec toi. Le Bell Farm Abra avec Sissou qui passait parfois. Ah ouais, je m'en rappelle hein, de toi, Camon, Kaz, petite dédie. Coucou Clash. Il est où le lien pour être sponsor? Le lien pour être sponsor bah, sur YouTube Gaming, c'est le truc en vert, mais normalement c'est au-dessus du chat, je crois. T'as un machin vert. Il me semble. Mais hein. Je crois que sur YouTube Gaming, le truc est mis en gros. Attends, je vais regarder sur mon tel. Je vais voir sur YouTube Gaming. Ah et d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Twitter aussi. Hein, pendant qu'on se fait chier pendant une minute, après vous inquiétez pas, on va lancer le combat. Je crois qu'il reste genre 30 secondes. Voilà. Bon, je vais prendre un live n'importe lequel et je vais te montrer si je trouve. Tac. Non, là, il n'y a pas. Mais c'est mis en avant, normalement. Voilà, c'est ça, là. En gros. Bon, je te montre sur la webcam, hein. Là, je suis sur un chat YouTube Gaming. Bref, c'est pas mon live. Hein. En bas, là où tu peux écrire, t'as un petit dollar. Donc, je peux pas vraiment. Ouais, ici, là au-dessus de mon doigt. Et t'appuies là. C'est tout. Mais bon, ça va pas être très compliqué normalement. Hein. Après, faut avoir des thunes sur YouTube, je crois. Je sais plus. Tu connais Lil Peep? Oui. Enfin, je le connaissais, MDR. Enfin, j'avais écouté quelques chansons. RIP. Ouais, sur YouTube Gaming. Mais il y a d'ailleurs la même chose sur YouTube normal. Hein. Yo Carotex, on est contre Carotex, je sais pas qui c'est, mais stylé comme pseudo, j'aime bien. En fait, je sais pas ce qu'un Kama branle avec leur jeu, y'a plus rien qui apporte des ressources. Non, PayPal et c'est good, ok, avec PayPal on peut apparemment. Ah oui, mais en Kama, ils ont. En fait, avec les ventes de sorts, ils ont enlevé tous les parches de sorts. Du coup, tout le monde a eu 1 milliard de colisétons. Et bah, du coup, bah. Oula, il a plein de reste-feu, bâtard. Je suis ton live en même temps, bah ça expliquerait peut-être pourquoi t'as 50% feu. Non, je rigole, tranquille. Ouais, du coup, je disais, il y a plein de colisétons qui ont été générés et du coup, bah les colisétons ils servent plus à rien. Mec, le colis, faut vrai. Mais je sais pas, mais mettez des vraies récompenses, gros. Mais je sais pas, gros. Tu as plein de jeux, mais même CSGO, des fois, il y a avant les. Enfin, CSGO encore, c'est pas le bon exemple parce que. Ils sont un peu AFK aussi, les développeurs. Mais au moins, ils sortent des skins et trucs comme ça assez régulièrement, on va dire. Nope, même pas. Oui, je me doute que c'était stuff de base.
Ouais, je sais pas, faut juste qu'ils soient plus actifs après, je sais pas, c'est sûrement pas leur objectif en fait. À mon avis, ils se disent nique sa mère Dofus. Tu vois, à mon avis, hein. Donc ils restent évidemment dessus, parce que voilà, mais ils sont pas à fond dessus, tu vois. Ça se voit qu'ils sont pas à fond de toute façon. Ils font quand même leur. Enfin, ça dépend qui, hein, parce que par exemple, Kills, je pense qu'ils se donnent à fond pour les tournois Dofus. Et ça se ressent quand même, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de nouveautés. Il y a eu des trucs cool. Mais il y a des domaines, par exemple, le PVM. Faut se rebouger, les gars. Genre, je sais pas, sortir des trucs durs, sortir du challenge. Et bon, c'est pas les deux filles communautaires qui vont faire ça. Parce que bon, les filles communautaires, entre nous, on s'en bat un peu les couilles, hein. Je vais pas être méchant, mais. Pourtant, moi, j'en fais un peu du PVM, hein. Vous pourriez dire, ouais, mais toi, tu connais pas le PVM. Mais moi, j'ai fait beaucoup de PVM, hein. J'en faisais en 1,29, j'en fais encore de temps en temps maintenant, quand j'ai rien à faire. C'est pas quelque chose que je connais, quoi. J'ai rien à faire dans ce combat, je me fais chier. Il a fait fuite, pardon. Merde, ah non, il a pas fuite, ça va. Il a juste fait un rollback, les gars, regardez. Rollback, il va revenir chez moi. Hop là, coup de cac. Ouais, un harnachement. Par exemple, avec les colisetons, mec, il pourrait faire tellement de skins. Mais des trucs hardcore, je sais pas moi. 100 000 colisetons, t'as un skin stylé avec les camou qui avec les couleurs, la machin qui prend tes couleurs. Mec, il y a trop de. C'est facile à faire en plus, mec. Limite, tu prends des skins de la communauté. La communauté, ils proposent des skins sur le forum, à mon avis. Moi, je suis pas un mec du forum, mais c'est obligé qu'ils le fassent. Hein. Bon, on fait quoi là, les gamers? Putain, je suis perdu, gros. Je suis pas focus en plus. Enfin, je suis pas vraiment perdu, mais. Ok, ça va. Il a un nébuleux ou pas? Je crois pas, mais ça va être chaud de le gagner, j'ai pas du tout de rester. Te fais comment des Kamas sans faire de PVM? Bah à mon avis tu peux pas à part l'exo. Les forges de magie, peut-être du commerce intérieur, je sais pas du tout si ça marche encore, moi j'y connais rien. Pour faire des Kamas, moi j'ai juste fait du PL de donjon. C'est-à-dire que je faisais passer les donjons abyssales. Il est en train de m'éclater. À mon avis, je peux pas vraiment le gagner parce que il a trop de raise, je pense. J'ai pas très bien joué, même si c'est pas non plus une catastrophe ce que j'ai proposé. Je vais tester un truc, ah ouais, c'est un coup, ça a même pas marché. Ça va. Je vais quand même perdre à mon avis ce combat. J'ai pas assez de res pour rivaliser avec des mecs qui ont des res justement en fait. Là le gros problème si je perds le combat, c'est que lui il a 50% feu, moi j'ai 7% terre. Donc évidemment que. Il y a quand même un trop gros fossé et du coup il peut pas perdre quoi. Enfin, s'il avait que 30% en feu, j'aurais pu rivaliser, là c'est mort. Et puis si moi j'ai un peu plus de rester aussi, mais là c'est pas trop possible, là, franchement. En plus Xelor, c'est pas de la merde contre Heliotrope en général. Disons que je suis pas choqué de perdre ce combat quoi. Et puis c'est pas encore totalement perdu, même si j'y crois pas trop. Tu vois, en même temps. Il va mettre un coup Dark Shall-Eye. Hop, peut-être une gélure. Ok, c'est pas mal ce qu'il fait. Essaye de soigner à fond, mais c'est trop chaud parce qu'il a trop de res, quoi. Franchement. Il avait un petit peu moins de raid, je pense que je pouvais gagner là. Non, je pense qu'il me tue. Il me tue peut-être pas ce tour-là, mais ça va pas tarder quoi. Ça va, on se démerde pas trop mal quand même. Parce que je vous rappelle que le Trap, c'est quand même une des pires classes en 1v1 quoi. Avec Steamer, avec Zobal, c'est quand même des classes bien à chier en 1v1. Il faut pas mentir, hein. Enfin, je le sais. Enfin, y a qu'à voir le ladder de toute façon. Alors, est-ce qu'il nous tue à la démote? Pas sûr. Et derrière, de toute façon, on le tue pas, donc dans tous les cas, il a gagné. Dans tous les cas, il a gagné parce que moi, je le tue pas ce tour-là. Hein. Et je pense pas avoir assez de soins pour encore jouer. Ça me paraît compliqué quand même. Hein. Alors. Puis je crois que depuis tout à l'heure, je lance pas mes coalitions.
Ouais, les 300 points de vie, il les fait avec un coup d'arc. Bon, on n'aura pas été si loin que ça. Je pense que si je rejouais un tour en plus. C'était. Ah non, il avait le 2 coco. Bah non, alors c'est mort. S'il avait le 2 coco, non, c'est mort. Bien joué à lui. Mais ouais, c'était trop chaud là. 50% feu, plus les réécrites et tout. C'est normal. Tu vois, c'est comme si moi j'avais joué avec 50% terre. Je pense que je gagnais. Bon, c'est normal. Hein. Il a un stuff qui est optimisé avec des puces de raise. Hein. Il mérite, il mérite. Ouais, voilà, des costumes, il pourrait sortir, gros, des costumes. Enfin, c'est free, quoi, à faire. Il y a des jeux, ils rajoutent même du cosmétique, ils en rajoutent toutes les 2 secondes. Tu t'en bats avec, ça coûte rien à faire, hein. Enfin, ça coûte les mecs qui les développent, mais bon, ça va pas faire sous notre gueule, quoi. Il demande trop aux joueurs, ouais, c'est un peu vrai, Martin. T'as pas totalement tort. Après, payer WS, enfin, c'est pareil, hein, personne les force, les joueurs. Hein, enfin, même s'il n'y avait que 10 000 euros de cash price de WS, bah, on jouerait quand même. Hein, on aurait peut-être moins envie, tu vois. Salut Kyojin, on est contre Kyojin, apparemment. On aurait peut-être moins envie de le faire parce que voilà, 10 000 euros, c'est pas 60 000, mais bon, en tous les cas, je pense que s'il y a des thunes à jouer, les mecs auraient tryhard, quoi. Putain, encore un. Putain, mais tous les hops que je joue, c'est sur cette map de merde, quoi. Et le Xelor, évidemment, c'était sur la map qui était gigantesque. Hein. Putain, sur les maps, j'ai pas de chance, hein. Combien de reste-feu il a? 17, bah il a pas beaucoup de reste-feu par contre. Putain, c'est encore un yop feu quoi. Oh là là, j'ai pas de chance. Tous les yop que je crois, c'est sur cette map de merde. La pire map Helio de la game. Non, il y a une autre qui a chié pour Heliotrop aussi. C'est pas la seule. Il faut pas abuser non plus. Hop là, coalition, cabale et blablabla. Il ne mérite rien du tout à mettre des raises en fonction du live. Non, je pense pas. Je pense que c'était son stuff qui donnait 50% feu. Hein. Je pense pas qu'il ait mis des raises. Parce que j'ai pas vu un chrome ou quoi. S'il avait un chrome et tout, je t'aurais dit ok, mais là, je crois pas. Hein. Donc, non, à mon avis, il était legit. Hein. Il était legit, je pense. Y a pas de souci là-dessus, quoi. Là, encore Yop qui va m'enculer. Je vais encore faire éclater ma race. On va mettre un parasite. J'aurais pas dû me placer là. Il va me défoncer. Hein. C'est pareil que les autres chops. Je peux pas faire grand chose. Dans tous les cas, en fait, je peux pas m'écarter pour pas me faire toucher. Dalcacter. Précis. Il va me faire un sort à 2 PA et une épée de destin à moins 2000. Tous les mecs jouent comme ça en ce moment. Mais moi, je peux rien faire. Hein. Enfin, je déconne pas, je peux rien faire. En plus, j'ai pas un stuff opti. Évidemment, si je jouais avec 50% feu, ce serait une autre histoire, quoi. Mais bon. On va faire comme ça. Après, c'est pas encore lose, hein, mais bon. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Yu-Gi-Oh! À l'attaque! Ah là, c'est compliqué là. Parce que si je fais ça, il peut venir me baiser, je pense. Quoique. Sorry frérot, je teste, y'avait pas de problème. Hein. Y a aucun souci. Alors, je vais tester ça. J'ai pas crit. S'il peut me mettre. Est-ce qu'il y a un abyssal? Non, bon, normalement, il me tue pas. Hein. Je pense pas qu'il me tue là. Justement, je devrais gagner. Je pense que je devrais gagner. Après, est-ce qu'il peut me faire 1000 dégâts avec 8 PA? Ah, il peut peut-être me les faire. Hein. Peut-être. Ah, il les fait, je crois. Ouais, il les fait. Sauf s'il crit pas, mais il fait que des crits, donc je pense qu'il va en faire un. T'as dommage, hein. Franchement, il faisait un non-crit, je gagnais. Mais là, il me tue, je crois. Ah, pourquoi il fait déferlement? Bah, il est chelou, il aurait pu me tuer. J'ai fait de la. Merde. Bah, là, il m'a laissé win, hein. Après, est-ce qu'il me tuait à 100%? Je pense pas, parce qu'à mon avis, s'il faisait pas de crit, il me tuait pas. Hein. Je pense qu'il était obligé de crit, quoi. Et il n'est pas une chance sur un à l'épée de jugement, il est une chance sur un que avec les Dalcacter. Et l'épée de destin peut-être, je sais pas. C'est à la mode ce stuff, enfin, je vois tout le monde jouer avec cette merde. Hein. C'est déjà le troisième, je crois qu'on croise comme ça. Hein. J'ai pas la stupeur Insta, hein, je suis avec la Valente là. Mais ouais, si je vois que je croise un Yop, je pourrais essayer de jouer stupeur, ouais. Mais là, je joue avec le totem. Putain, il est pas mauvais, Extreme Junior. Je pense qu'il va nous éclater parce que c'est un staff de merde. Mon avis, Extreme, il nous éclate. Je te tue avec déferlement plus cac. Ah ouais, mais tu me tues avec double jugement aussi. Tain, 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 tain.
Merci Kyojin pour ta donation, merci pour tes 5 euros. Pour un petit grec, bah merci beaucoup gros. Je noterai. Je penserai à toi pour la prochaine fois que j'en bouffe un gros. Merci beaucoup. Ça fait plaisir pour ta donation. Et merci aussi à ceux qui s'abonnent à la chaîne, les gars, c'est vraiment plaisir. Bon, Extreme Junior, il m'est prêt ou quoi? Je pense qu'il est bien en Dofus Ivoire et tout. Ah, il a pas de tendresse que ça. Ah oui, c'est l'Upper Multi, il est pas mauvais lui. Hein. Vraiment, je pense qu'il va nous éclater parce qu'en plus on n'a pas de raise. Mais il a pas de tendresse feu, donc on peut peut-être rivaliser. Mais je pense pas, honnêtement, j'y crois pas trop. C'est un bon joueur, hein, quoi. Mais c'est un joueur de la map aggro, lui. Déjà là, je vais être bloqué tour 1. Hein. Enfin, bloqué. Le truc va me tacler, quoi. Vais devoir cramer ma libé dès le tour 1, c'est quand même ultra triste. Je crois que je suis obligé. C'est triste. On va interruption, même s'il va venir à mon cac du coup. Pourtant. Mais oui, je te tue en crit, t'as l'épée de destin, pourtant j'ai 80%. T'as dit quoi? Pourtant, mais j'ai pas fait de don. Peut-être, mais super. Mais tu t'es abonné, Kyojin, c'est bon, t'inquiète pas, hein, c'est très bien. Venez dans mon live. Non, non merci, ça ira. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il sait vraiment ce qu'il fait, il a l'air de bien jouer. Avec son gardien élémentaire de merde, il faudrait que je le tue dès qu'il y a la possibilité de faire une zone, peut-être. Aïe, ça tape très fort. J'ai mal. Oh putain, je joue mal. Oh là là, mais je suis une merde des fois. Hein. C'est pas grave, les gamers. C'est moi le don. Ouais, je sais que c'est toi, Nurabes. Merci, t'inquiète. Maria n'est pas chez moi, Kyojin. Hein. En tout cas, merci à tous d'être là, les gars. C'est cool, on est pas mal. Hein. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on va réussir à le gagner, celui-là? Pas sûr. Hein. En vrai, c'est encore jouable parce que là, son gardien élémentaire ne pourra pas me taper. Là, il va se taper le parasite. Je pense qu'il joue en deux coco, par contre. Pas sûr. Mais putain, il a encore 4 PA. Mais c'est quoi ces clés élémentaires? Je comprends rien. Oh bâtard, il m'a réduit mes dégâts. Par contre, on peut lui faire mal là. T'as la redirection, c'est une dinguerie quoi. Bon, je tape à fond, nique sa mère. Hein. Là, je me dis, allez, tant pis, on tape, on s'en bat les couilles. Ah, il est pas bien, hein? Oh, il est pas bien. Franchement, on peut peut-être faire la surprise. Ce serait cool de gagner un bon hyper match, parce que je le connais, il est pas mauvais. Hein? Après, c'est pas encore win, hein? Parce qu'à mon avis, s'il commence à se mettre des PB, ou peut-être il peut peut-être tenter le kill aussi. Hein? Il a encore 10 PA. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que son machin, mec, t'as vu la taille de son truc, gros? Mais c'est quoi ce machin? Il est boosté à combien de puissance là? Il va pouvoir me taper, le gardien là? 1200 de puissance. Ah, il peut pas me taper par contre. Mec, il a fait combien d'attaques dans son tour, bâtard? Ah, il peut me taper, ah! À 500, oula. Doucement. Alors par contre, si je dis pas de conneries, si je fais Odyssée, j'ai une zone ou pas? Ah, pas sûr. Attends, si je fais ça. Bah, je sais pas si je le tue pas en fait. Enfin, attends. J'aurais peut-être pu, mais alors là. Attends, il me fait chier ce truc. Au pire, je fais ça et double machin. Attends, ça marche comment on fait ça déjà? Ah oui, c'est comme ça. Bon, on va pas se prendre trop la tête, on va reculer. Oui, je l'ai tué, yes. Oh! Putain, il était chaud ce combat, hein. Bien joué, hein. C'était tendu, putain, il a bien fait peur avec son gardien de merde, il m'a tapé fort. J'avais pas vu que le gardien allait passer dans le portail en fait. Il a bien vu, et franchement il est pas mauvais. C'est cool qu'on a pu le gagner avec un crit là. Réponds à STP, elle s'appelle comment la musique? C'est une playlist, mais du coup j'ai pas les noms des musiques parce que c'est une playlist que j'ai faite moi-même, mais j'ai plus les musiques genre.
Ça, c'est des petites musiques paumées. C'est pas vraiment de nom, quoi. Grave cool ton live, merci Skizip. Merci à vous les gars. Putain, il y a encore des gens qui font du PVP 129. Putain, j'ai l'impression que c'est à 5 ans ça. On a fait combien de combats? Vas-y les gars, encore 5 combats. Comme ça, on aura une note sur 20. Et dans 5 combats, on s'arrêtera. Ça peut être un bon concept de live, ça, justement. Tu fais toujours 20 combats avec toutes les classes et tu regardes à quelle classe tu fais le plus. Tu commences ton live avec un... Tu sais, t'as 0 colis. Putain, il est Omega 170. Tu finis le live, t'as fait 20 combats et tu regardes avec quelle classe tu arrives à monter le plus haut. Ça peut être pas mal comme live, ça. Là, on est à 11 sur 15. On a déjà la moyenne, c'est déjà pas mal. Dans tous les cas, on est sur la moyenne. Maintenant, il faut chercher la mention MDR. Trop marrant, XD LOL. Ça va être chaud parce que justement les combats ils sont de plus en plus durs. Là on a quand même 4526 de côte. Hein. Et là c'est un bon roublard lui. On a joué contre, putain j'ai eu mal. Je sais plus s'il est. Je crois qu'il est R lui. Peut-être qu'il a changé d'élément, il va peut-être jouer terre. Bah là il a l'air terre. Hein. Putain il a 40% feu. Bon, s'il est terre, j'essaye de le mettre dans ses propres bombes les gars. Allez, je vais me concentrer là. Il est terre ou pas du coup? Ouais, il a l'air terre. Il va imposture direct. Bonne soirée Relika, cool le concept. Ouais ça peut être sympa, après 20 combats c'est peut-être un peu beaucoup. Enfin ça dépend avec quelle classe que là, genre en héliotrope ça va parce que... Comment dire... Les combats sont pas très longs. Mais il fait quoi, il a eu suicide ou quoi le mec? Non il a rémission, il doit pas suicider, j'ai l'impression qu'il a fait un tour grave bizarre. On va lui mettre un parasite. Possible, j'aurais dû faire con. Putain, conjuration, faut vraiment que j'y pense, c'est un très bon sort. Étoupie. Hein. Ah, mais il joue pas avec Kaboom. Oh putain, mais c'est parfait ça. Il joue pas avec Kaboom en plus contre un Negio, il est fou. Il est faux. Les gars, on va l'éclater. Bon, honnêtement, là, j'ai pas le droit de perdre. Hein. Après, en vrai, s'il joue bien, il peut m'éclater. Hein. Pourquoi il me fait ça? Aïe. Il va poser une bombe terre, les gars. Hop, sur le portail, ok. Bon, on balèque, hein. Du coup, dans 5 combats, les gars, ce sera la fin du live. On aura fait 20 combats. Pour l'instant, 4 défaites et 11 victoires. C'est pas mal, franchement, ça va. Sachant qu'on a perdu des combats de peu, on en a aussi perdu de loin. Enfin, bon, les mecs nous ont niqué, quoi, même ça arrive. Hein. En héliotrope feu. Ouais, voilà, c'est ça. 20 combats avec d'autres classes, ça peut être très long. Après, bon, il y a des lives des fois où je reste 3h-4h. Hein. Là, j'ai pas trop le time de rester très longtemps. Mais là tu vois 20 combats ça devrait faire normalement environ 2 heures de live. Donc c'est pas mal. 2 heures de live je trouve c'est la bonne durée quoi. C'est sympa, on passe un bon moment. Ok donc là il va nous mettre dans les bons, on va prendre assez cher. Mais il a assez là pour pousser jusqu'à moi. Ouais il a pile poil assez, ok. Ok on va prendre 1000 dégâts, ok ça va on va pouvoir soigner hein. Bon, franchement je fais pas de problème là pour le coup. Je vais tranquillement aller par là. Me régène. Masse de paix encore, on va faire une petite maîtrise. Il a le roule la botte, non il a pas, il vient de le lancer. Ok. Étoupie. Il joue avec imposture, hein. Faut pas que j'oublie ça. Petite rémission des familles. Bah c'est ça, ça peut être rapide, hein. Vous dites ça, mais ce mec, ça dépend surtout de la façon dont on joue. Parce que même en Osamodas, ça peut être long, ça peut être rapide, hein. Si je joue un Osamodas full aggro, full rocks, voilà quoi, hein, ça peut être, ça dépend vraiment de la façon dont on joue, quoi, c'est tout. J'aurais pu faire un move très stylé, mais là je peux pas, je crois. Moi je suis un fou là.
comment je joue avec le feu, les gars, c'est n'importe quoi. Bon, à mon avis, il me tue en fait. J'ai fait le triseau là. À mon avis, il peut me tuer. Hein. J'ai vraiment joué n'importe comment. Ouais, je suis vraiment débile. Hein. Là, il me tue. GG, GG, j'ai mal joué. Putain, mais j'ai oublié que je pouvais faire qu'une interruption. Je suis con. Après, s'il me tue pas, je pense que je le tue par contre. J'ai mal joué. En fait, j'ai bégayé, comme on dit dans le jargon. Tu vois, ça arrive. Contrôle, toujours use la stupeur. Ouais, je peux. Mais là, il me tue pas hein, s'il joue comme ça. Alors, voyons voir. Oh, il roublardise, relou. Oh, ça va, j'ai pas encore perdu normalement, je pense. Ça va, j'ai pas encore perdu. Arf, mais il peut, il passe dans le truc. Mais comment il joue, mec? Il fallait rentrer dans le portail, il pouvait là. Tu rentres dans le portail, tu fais Mimesis, tu fais le tour, ça va y assez. Tant mieux, le mec a bégayé de ouf. Pire que moi, gros. Et pourtant, Dieu sait que j'ai bégayé. On va partir par là. J'ai foutu là. Ok, c'est bon. Mais il est peut-être pas vers moi. Hein. Mais même s'il est vers moi, c'est pas grave. Ok, il était pas vers moi. Ah si, il était vers moi, c'est ça. Ah non, il était là-bas. Ok. Ok. Yochuk. Oh ouais, SVP. Abonnez-vous, les gars. Ça me ferait plaisir. Ceux qui s'abonnent. Parce que c'est, comme je vous disais, c'est chaud de gagner des abonnés quand tu fais une chaîne Dofus. Parce que bah, la communauté, elle est pas énorme. Donc c'est pas comme s'il y avait une marge de. C'est pas comme s'il y avait, tu sais, 3 millions de personnes qui jouaient. Là, on n'est pas beaucoup, beaucoup, donc, mais c'est cool quand je gagne des abonnés, je suis content. Déjà, on a réussi à avoir 100 000, les gars, c'est bien. C'est très, très bien, même. Bon, faudrait peut-être que je joue un peu mieux, parce que pour l'instant, c'est pas terrible, terrible, il faut pas se mentir. J'aurais pas le temps, j'avais une idée de move, mais je vais pas avoir le temps. Putain, j'ai rien à foutre, je vais me booster, hein. J'avais une idée de move, mais c'était un peu risqué. Si ça le tuait pas derrière, c'était un peu de la merde. Là, faut que je me concentre un peu. Parce qu'en fait, dans ma tête, je veux trop le mettre dans ses propres bombes. Alors que je pourrais jouer normal et gagner aussi. Hein. Oula, il va essayer de me mettre dans les bombes. Après, comme je vous l'ai dit, s'il met dans les bombes et que. Enfin, on va voir ce qu'il fait là. Je comprends même pas trop ce qu'il veut faire. Ouais, il va me mettre dedans, ok. C'est pas. Enfin, il va me mettre des dégâts, mais c'est pas forcément la fin du monde, quoi. Parce que je vais prendre peut-être 1500 dégâts, c'est ça? Ouais, je vais prendre 600, plus après 1200, je dirais. Voilà, c'est ça. Bon, c'est chiant, mais ça va. Ça tape que ça? Mais pourquoi ça tape que dalle sur. Bah, je suis mort là. Mais pourquoi ça tape que ça? Attends, moi j'ai pris 1100 là. Moi je prends 1100 et lui il prend que 900, mais on a les mêmes raises. C'est jaloux de ouf, non? J'ai pas compris là, honnêtement. On a les mêmes raises, hein. 7%, lui il a 8%. Pourquoi il prend que 900 et moi je prends 1100? Inch'Allah, il me tue pas. S'il te plaît, mec. Non. Non. Il peut pas là. Mais il est trop con, il peut pas me tuer. Oh yes, il est trop bête. Enfin, je crois, hein. Si j'y vais. Ah, peut-être avec le portail? Non, il peut pas, hein. Eh oui, mon pote. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. GG, t'as bégayé. Mais hop. C'était intense encore, hein, bordel. Et par contre, j'ai pas pigé. Mais les alliés prennent moins de dégâts, c'est quoi? Bouclier, PE. Ah, ok. Ah ouais, je me suis fait arnaquer. C'est comme si c'était des dommages cac, apparemment. Putain, l'arnaque. Parce que dans ma tête, j'avais fait le calcul. Je me suis dit, si je prends 1100, il va prendre pareil, quoi. Donc, moi, je suis pas en Alakna, en Stalak, les gars. Bon, ouais, ça passe. Encore 4 combats, les gars. Attends, on a fait des beaux combats, hein, franchement. Parce qu'on a joué quasiment que contre des Dofusivoirs. Hein.
Bon, il n'y a plus de combat ou quoi là? J'aimerais bien finir avec mes petits 4 combats. Est-ce qu'on va les trouver? Merci les gars, de ceux qui sont abonnés durant le live en tout cas. Et dans deux sponsors, on aura la nouvelle émote. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Mauvais, ça peut. Quoi? T'as une playlist chill? Pour moi, il y en a sur la chaîne Ça peut 2. Salut Marc. Pour t'envoyer des sons, faire comment sur Twitter, arrobas ça peut. En DM, tu peux m'envoyer des sons. Tu lis aucun com, t'es trop orgueilleux. Je suis désolé, mec. Envie de groupe, parfois je démouvre. Non, mais t'inquiète, je préfère apprendre tout seul, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a toujours moyen de faire mieux, mais en même temps, là, je suis pas en mode full tryhard. On est sur le live, je suis en train de regarder le chat en même temps, donc t'inquiète pas. Salut Adam, comme ça va? Un nouvel archaïque dans le chat, ça me fait toujours plaisir d'en croiser. T'es musulman? Non. Et alors? En direct du Webus Lyon-Bordeaux. Ah! Encore un roublard, bah dis donc. Bah bon voyage, beau gosse. Un roublard R, c'est parti! En vrai, je pourrais le taper, terrain, je crois, sur cette map. Alors, on va terminer par là. J'ai encore rien à faire avec mes 4 PA. Ouais, je ferais peut-être des games Fortnite, mais je sais pas s'il y aura de la place à Albatros. Hein. Mais je jouerai dans la soirée, c'est sûr. Faudrait que je fasse mes devoirs aussi. Lol. Alors. On va lui mettre ça. Boum, boum. Oh là là, cette redirection, regardez, ça fait un triangle Illuminati. Oh non. Ne serait-ce pas le triangle de Sapeux, là tu mets le petit logo là. Hop. Et oui, c'est la redirection Illuminati. MDR, trop marrant. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bombe en but, il va mettre une dernière bombe. Après, Balek, hein, il est à Kaboom ou pas là du coup? Il est même pas Kaboom. Bombe R. Ouais, mais encore. Recel, ok, bien vu, mais bon. Ça va pas être terrible non plus. Non, la redirection n'est pas bonne. C'est pas grave, on va pouvoir la ranger. Si je fais ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, non, ça doit être bon là, je pense quand même. Voilà. Ouh, ça fait mal aux fesses. Parce que j'ai mis conjuration truc là. Bon, là, faut pas qu'il me tue maintenant. Normalement, j'ai des restes, ça devrait aller. On l'a bien nos matchs, je pense pas qu'il me tue, hein, même s'il fait un cric-cric machin là. Une explosion. Il va essayer, mais pour moi, c'est pas possible. Au pire, il y a que deux bombes qui pètent et. Ouais, tu auras jamais, tu auras jamais. Il est bizarre. Quoi qu'il a pas tort. Bon, il va me... ça va rien taper, hein. Franchement, ça va être naze. Tu peux virer la transparence. Je suis désolé, j'en ai besoin pour voir les portails. Est-ce que tu connais des portails derrière les murs? Sinon, je vois pas leur numéro. Et si je vois pas leur numéro, bah, je suis un peu niqué, quoi. Bon, il est sûrement parti là-haut, mais on va quand même vérifier qu'il est pas là, au cas où. Non. Donc il doit sûrement être par là, d'ailleurs je sais même pas si je vais pouvoir le tuer du coup. Bah si, normalement comme ça. Après j'espère qu'il est là parce que sinon je suis niqué aussi. Ok, je suis bien niqué, mais c'est encore possible parce qu'il a combien d'HP? Putain, faut que je fasse gaffe, hein. En vrai, je peux le cac de là. Ah bah ça va, j'ai le cac. Si j'avais pas le cac, c'était tendu, hein. Après il me tuait pas, je pense quand même. Il avait trop... Il était trop late, quoi. Ah, il y a plus de 3 combats. PK la mode feu. Bon, je sais pas, j'aime bien. Merci B2O officiel, B2O officiel. Moi j'ai 20 ans. Bon, salut, bravo pour tes 5000 abonnés de Québec. Bah merci à toi FX, ça fait plaisir en gros. Putain, faut que je monte la vidéo pour demain aussi. On a du taf à faire, hein. Bah, je donnerais bien des kamas, mais si je commence à en donner, après j'aurai trop d'échanges, je pourrais plus respirer. On verra peut-être après le live, on verra peut-être.
Yo Spacey. Comment tu mets le mode transparent? Bah tu fais clic droit et tu règles comme ça là. Ah bah gros, t'as fait une donation mais t'as mis un roman, du coup ça s'est tout niqué dans le live, mais c'est pas grave, t'inquiète, je vois tout ce que t'as écrit. Merci on some cheat, beau stream, je joue plus à Dofus depuis l'été dernier mais je t'écoute quand même du Canada aussi. Et si tu fais du Fortnite sur PC, add-moi, j'ai 78 de mon nom. Tu peux m'ajouter si tu veux, hein. Moi c'est SapeYT, tu m'ajoutes, en général j'ajoute tout le monde. Hein. Donc tu peux m'ajouter SapeYT. Merci en tout cas pour ta donation. Essaie de jouer avec Anno Catcher, nanana. T'auras à chaque fois l'initiative. Ouais, mais là, t'inquiète, je vais finir le live avec ce mode-là, parce que je crois pas que j'ai les items. Merci en tout cas pour la donation. Alors, Catcher, je crois pas que j'ai les items, mais je sais que ça se joue aussi le mode Catcher pour l'initiative. Les roublards, ils font pareil. J'ai, tu gères bien, c'est chaud à jouer, Elio. Merci, Elimé. C'est chaud. Ouais, au début, franchement, quand tu commences, Elio, c'est pas facile, hein. Mais là, enfin, j'ai quand même bien pratiqué, donc je suis pas un monstre du tout, mais au moins je connais les bases et j'arrive à m'en sortir et à taper quasiment tout le temps, quoi. Et c'est ce qu'il faut, quoi, au minimum, quoi, connaître les portails, les redirections et tout. Docteur Hero, qu'est-ce que tu as dit? Tu devrais vraiment regarder la vidéo de Team WoW, il a précisé. J'irai voir hein, si tu veux. Hein. SapeYT, ouais. C'est mon compte Fortnite. Il y a la vidéo sur SapeU2 d'ailleurs, les gars. Allez la voir, la vidéo sur SapeU2 de Fortnite, si ça vous intéresse, évidemment. Sinon, je vous force pas du tout. Et merci à tous ceux qui sont abonnés durant le live. Hein. Plus que 3 combats, je crois, c'est ça? Ouais, 3 combats, les gars. Après, sera la fin du live, ce sera environ 17h, normalement. On aura fait quand même pas mal de beaux matchs. Hein. Franchement, je suis content. Tu sais montrer le stuff, ça, j'ai que 1001. Je veux un. Ah, bah, j'ai pas beaucoup de raise, moi. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'intel, mais j'ai pas de raise. Hein. Regardez, il y a un petit smiley sur mon t-shirt, trop marrant. Mettez un pouce vert, lol. T'as guetté un peu l'item de la classe Helio, je sais pas s'il y a des trucs bien. Non, j'ai pas regardé. Talos, DWS, ça a pas commencé pour nous les DWS, donc oh non, on a pas lose. Enfin, on a lose, c'est LDT, mais. Enfin, on a lose, on est arrivé deuxième, quoi. Lol, moi j'ai arrêté de vue il y a 5 ans. Bah, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Non, je rigole, mais. Non, en vrai, il y a eu des trucs sympas quand même, parce que pff, le jeu est quand même pas mal, tu vois, mais. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Pour moi, il y a des très bonnes bases sur Dofus, c'est un bon jeu. Mais ils sont pas assez actifs, je sais pas, il faut qu'ils se bougent. Sortir des trucs. Putain, il pleut sa mère. Pardon. Ouais, sortir un max de trucs, je sais pas, même des cosmétiques de merde, on s'en fout. En fait, je sais pas, le modèle économique, il est. J'allais dire un truc de merde, parce que j'allais dire faites comme CSGO et Fortnite en mode, tu vois, le jeu, il coûte. Bah, Fortnite, il coûte rien, mais CSGO, de base, il coûte quoi? Il coûte 10 euros. Quand tu l'achètes en stock, je l'avais acheté à 3 euros, je crois. Et après, la thune qui sont vraiment, c'est avec tous les skins et les bordels. Les stickers dans les compètes, les skins machin. Et pourtant, le jeu de base, ça, c'est quoi? C'est 4 euros. Enfin, je sais pas, moi, ça coûte peut-être 10 euros, j'en sais rien, 15 euros. Et Fortnite, c'est encore pire, c'est gratuit, je crois. Sauf le mode PvE, je crois. Et après, les thunes qui sont, c'est ailleurs. Mais en fait, Dofus, ils font les deux. Et du coup, bah, ils ont pas de joueurs parce que ils font l'abonnement et ils font les skins. Ça marche pas comme ça. Tu fais pas tout payer, gros. À un moment, tu fais un des deux, je sais pas. Toi, tu fais payer le jeu et après, enfin, un des deux, j'abuse, mais vous comprenez l'idée, quoi. Si tu fais tout payer aux gens, c'est ce que quelqu'un disait tout à l'heure. Les mecs, c'est bon, quoi. Stop. Et en plus, faut que je. Putain, y a que des Dofus War, bordel. Par contre, les Nier ça, à mon avis, je me fais défoncer parce que. Vu qu'on peut pas éroder, c'est un peu compliqué, on va voir. Hein. À quand le mug, ça peut, je sais pas gros. Les bombes tapent moins fort sur le lanceur, je crois pas. Hein. Le PvE Fortnite sera gratuit. Bon, c'est possible, hein, je suis pas tout, mais. Je sais pas, après, ok, c'est une entreprise, ils doivent se faire des thunes, blablabla. Mais à mon avis, ils sont pas si mal niveau thunes, hein, je pense. Et par contre, ils vont être mal niveau thunes s'ils font des mauvais choix. Après, moi, je suis pas. Hein. Je suis pas un expert communication, ils connaissent bien mieux que moi leur domaine. Hein. Je vais pas prétendre leur carry et leur entreprise. Hein. Ils savent ce qu'ils font, je pense, mais. Ils pensent peut-être pas assez à Dofus 2, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Sinon, je balaye un peu, hein, mais bon. Bon, on fait quoi? On focus. Terminer ici. Sauf que progresser sur Dofus, c'est autre chose que Fortnite CSGO, ça se repose sur le skill. Pourquoi ça se repose? Ah, tu parles du stuff, genre sur Dofus? Ouais. Non, mais je dis pas de faire un free. Comment t'appelles ça là? Un pay to win là.
Je sais pas, moi juste des cosmétiques, des. Ouais, mais je sais pas, des jolis items, des merdes. Tu sais, il y a plein de gens qui achètent des items. Hein. Et ils le font déjà, mais putain, mais. Enfin, ouais, bref. Je fais rien dire. Faut qu'ils se bougent un peu plus, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, on va faire conjuration. On va faire une flammiche. On va faire faisceau lumineux. Faisceau lumineux. Hop, on interrompt. En Kama, faut qu'ils comprennent qu'on est déjà bien gentil de payer leur avis à Beau, vu que les nouveaux. Avec leur robe, elle dit bah, ça, voilà, c'est ça. Enfin, faut qu'ils. Franchement, ils devraient mettre, je pense, le jeu gratuit ou beaucoup moins cher, gros. Vraiment, soit gratuit, ce qu'ils pensent pourrait être bien, soit beaucoup moins cher. Mais après, quitte à qu'ils se fassent des thunes de notre façon, moi, j'en sais rien. Avec, bah, je sais pas, moi, bah, justement, peut-être en ouvrant un jeu PVP, c'est-à-dire un serveur full PVP où tu devrais payer, j'en sais rien, tu vois. Je suis pas un développeur, moi. C'est pas un développeur, non. Mais je suis pas un mec de communication. Un mec marketing, c'est pas mon job. Mais à mon avis, il y a moyen de faire des trucs, quoi. Blablabla, on va faire ça. On va lui parasiter sa race, là. Ouais, pour moi, ouais, c'est l'abonnement qui bloque un peu l'arrivée des nouveaux joueurs. Vous avez raison, je pense que quand tu commences le jeu et que t'es pas abonné, le jeu est un peu naze. Et si tu payes au début, alors qu'au début, peut-être si t'es tout seul, ça mène longtemps. Hein. Quand t'es tout seul, quand t'as pas d'amis pour te aider dans les donjons, pour XP, c'est plus facile qu'avant. Hein, parce que putain, à l'époque, gros, c'était vraiment horrible. Mais maintenant, ça va. Mais même si t'es pas très fort, tu connais pas les bails, c'est compliqué. Pour moi, franchement, il devrait faire ça. Hein. Je sais pas. Ou alors beaucoup moins cher. Je sais pas, après, voilà. C'est eux qui voient s'ils s'en foutent ou pas du jeu. On va faire comme ça, les gars. Merde, oh putain, j'ai mis ce clic. Fais chier. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur Parasite, mais ça m'a fait rentrer dans le portail. Ah bah, ça m'a bien niqué mon tour, là. Ça m'a bien baisé mon tour, du coup. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ouais, ça m'a bien niqué ma vie, là. Ah, de toute façon, je peux pas les roder. Pour moi, l'Irepsa, je peux pas trop le gagner, je pense. Personne commence Dofus. Personne commence Dofus, bah justement parce que c'est. Enfin, quand tu commences et tu dois direct payer par mois, ça pique. Encore, ça aurait été de ça, tu payes qu'une seule fois. Tu payes qu'une seule fois 15 euros. Je pense que beaucoup le feraient. Et puis de toute façon, même si les gens joueraient plus, au moins ils auraient payé. Donc bon. Franchement, ouais, je pense que tout le monde le ferait, ça. Enfin, tout le monde le ferait. Il y aurait pas mal d'achats, je pense, s'ils faisaient ça. On va faire comme ça. S'ils enlèvent l'abo, ceux qui sont abonnés se font liquider leur argent. Mais non, mais gros, ce qu'il pourrait faire, en fait, je comprends pas. Ce qu'il pourrait faire, c'est une sorte d'abonnement payant, mais qui est pas obligatoire pour accéder au jeu. En fait, tu vois, comme sur. Bah, genre, imaginons que tu t'abonnes et justement, tu as des avantages comparés aux autres. Et pas des avantages genre en PV, enfin en PVP, genre un avantage en mode, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être? Je réfléchis. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bah, genre des skins par exemple, des défis exclusifs en mode, tu peux avoir des succès, tu sais, des nouveaux succès. Ah, par exemple. Imaginons, tu payes un abonnement, mais un truc qui n'est pas obligatoire, un truc vraiment genre. Comment dire? Bah c'est un peu ce qu'ils font Fortnite, c'est avec les passes de combat en gros. T'es pas du tout obligé de les prendre, mais si tu les as, t'as des avantages, mais qui sont pas utiles au jeu. C'est vraiment pour faire des skins ou des trucs comme ça. Alors peut-être je m'inspire un peu trop de Fortnite, mais de toute façon, CSGO, ils faisaient pareil. À une époque, ils faisaient des. Comment ils appelaient ça? Bah c'était un.
Je sais plus le nom que ça avait. En gros, t'avais un badge de combat, je sais pas quoi, et tu t'avais des espèces de quêtes, t'avais des missions. Et c'était pas mal, hein. T'avais des missions contre des bots et même contre des missions en game et tout, en matchmaking. C'était pas mal, franchement. Bah, pour moi, ils devraient faire un bail comme ça. Avec, je sais pas, par exemple, des nouveaux succès juste pour ceux qui ont payé ça. Et comme ça, c'est pas obligatoire en fait. Et ça rajouterait du contenu justement pour ceux qui sont in-game. Pour moi, c'est pas une mauvaise idée. En mode, tu vois, au lieu que ce soit par exemple, bah, je sais pas moi, je vais dire un exemple, hein. Peut-être c'est pas une bonne idée, hein, mais. Au lieu de faire un Cthulhu, je sais pas, par exemple, tu devrais faire un Cthulhu spécialement barbare, je dis n'importe quoi, hein, un exemple quoi, je sais pas, soit du nouveau succès PVM, soit des succès colis, mais ça semble évident qu'il faut faire des fins, je sais pas. Comment ils pourraient faire du succès colis en mode gagner 200 colis, gagner 100 colis, gagner 30 colis en un jour? Mec, c'est la base des quêtes journalières, des trucs comme ça. Parce que mec, les quêtes journalières d'office, c'est quoi? C'est l'almanax. Gars, almanach, c'est de la merde, c'est enfin, mec, ramener des ressources, on s'en bat les couilles. Alors que, imaginons gagner 10 colis en un jour, déjà, ça force le joueur à faire 10 colis en un jour. S'il les fait pas, c'est pas grave, il aura rien perdu, le mec, c'est bonus, tu vois. Et derrière, bah, s'il les fait, bah, il gagne, je sais pas, moi, il gagne, je sais pas, 500 au green, il gagne un titre, il gagne n'importe quoi, j'en sais rien, je m'en bats les couilles, il gagne un truc. Ou de l'XP, ou des. Voilà. Et pareil, le serveur tournoi, il y en a beaucoup qui parlent de ça. Pour moi, c'est ça aussi devrait le faire. Hein. Un serveur tournoi, c'est-à-dire un serveur où tu as le choix, comme un serveur bêta en fait. Sauf que tu le payes, effectivement. Enfin, pour moi, ça me choquerait pas de payer. Pour ça. Il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à payer pour ça d'ailleurs. Merde, putain, je joue n'importe comment parce que je parle. Bon, ce combat, il m'a triggeré. De toute façon, je vais suicider. Bien joué, Lenny. On aura une défaite, c'est pas grave. C'est comme ça. De toute façon, je pense pas que je vais le gagner, honnêtement. J'étais pas assez concentré dessus. En plus, je faisais que de parler. Mec, des quêtes PVP, c'est évident, mais des quêtes de merde, moi, je sais pas, moi. Après, je sais pas, ça pourrait peut-être fausser des combats s'ils faisaient vraiment des succès en colis. Imaginons, ils font par exemple succès mystique en colis. Je sais pas, moi, gagner 10 combats de Coliseum sans utiliser ton corps à corps. En vrai, ça pourrait être fun, ça pourrait être fun. Moi, c'est un truc, ça, mais ça fait 5 ans qu'on y pense, gros. Ça fait 5 ans qu'on y pense. Des trucs en mode, je sais pas, moi, contamination, terminer le colis en moins de 5 tours, et quand tu la testes, je sais pas. Voilà. Après, ce qui pourrait être chiant à ça, c'est qu'il y en a qui feraient exprès de tomber contre leurs potes pour valider les succès. C'est vrai que ça pourrait être relou vu que c'est du PVP. C'est le seul défaut que je vois en fait. Ça, imaginons les deux mecs qui s'inscrivent en même temps à une heure un peu, genre 5 heures du matin. Voilà, ils sont c'est des potes, du coup, ils vont faire exprès de comment dire, bah, de se faire passer les succès, tu vois ce que je veux dire. C'est le seul défaut que je vois à ce système. Et pourtant, on a joué que contre Dofus Ivoire aujourd'hui, hein. C'est un truc de ouf. Tous les mecs qu'on croise, c'est Dofus Ivoire. Bien joué à l'Enyer Ipsa, honnêtement l'Enyer Ipsa, je pense pas que je voulais le gagner. La map était trop naze et l'Enyer Ipsa c'est assez chaud. Ah, mais, enfin en vrai en full tryhard j'aurais peut-être pu, mais là j'ai pas full tryhard. C'est pas compatible avec un ladder PP. Voilà, c'est ce que je dis, c'est pour moi il y aurait des problèmes à ça quand même. Mais bon, par contre, ce qui peut être fait c'est gagner 100 combats de Coliseum. Là il n'y a aucun problème, les combats de Coliseum ils vont être joués. Donc une fois que tu en as gagné 100, après ils peuvent même faire 1000, mais peut-être faire 10 000. Il y en a, ils ont farmé les colis comme jamais, hein. Alors 10 000 c'est peut-être un peu beaucoup j'avoue, mais gagner 1000 coliseums ça peut être une super récompense. Et comme ça mec, tout le monde irait faire des coliseums juste pour ça. Juste parce qu'à la fin il y aurait un ornement. À la fin il y aurait un ornement de merde, genre, je sais pas, un machin en or avec le coliseum écrit, je sais pas moi, dieu du combat, n'importe quoi, je m'en bats les couilles. Et juste ça mec, tout le monde irait faire du PVP juste pour avoir ce succès. Bah déjà en fait, tous les mecs qui font que les succès PVM, ils se mettraient au PVP juste pour ça. Donc déjà ça ramènerait, je sais pas, de la hype un peu. Et comme ça, il y aurait plein de gens en combat de colis, ça pourrait être vraiment excellent. Mais juste des petits succès à la con, hein, pour moi, ça coûte rien et ça pourrait être des choses qui peuvent. T'as encore un Yopfeu, mais vous me cassez les couilles, les Yopfeu. Laissez-moi tranquille, les bros. On va faire ça. Ouais, après, peut-être j'ai des idées de merde, les gars. Hein. Vous dites, enfin, moi je dis mon avis, hein, c'est peut-être de la grosse merde. Hein. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, hein. Il n'y a aucun problème, les gars. Mais pour moi, en tout cas, le succès, gagner genre 100 colis, 1000 colis, c'est évident qu'il faut le mettre. Comme ça, les mecs, ils vont refaire du colis, quoi. Voilà, c'est ça ce que dit Zikrolode. Il y a des mecs, gros, pour un vieux ornement de merde, ils font que des nidas toute leur journée. Imagine s'il y avait genre 1000 colis. S'il y avait de la. Enfin, s'il y avait de l'importance pour le colis, en fait, c'est tout. Parce que, mec, en ce moment, le colis, tu les fais juste pour faire. Enfin, moi, personnellement, je les fais pour faire des vidéos. Mais, si, imaginons si j'étais pas youtubeur, les gars, je suis honnête avec vous, hein. Si j'étais pas youtubeur, je pense pas. Merde, je vais faire une réaction éclatée là. J'ai fail encore. Putain, je fais que de fail. Je suis une vraie salope. Je suis une vraie pute.
Bon, attends, c'est quoi? Nique sa mère, nique Mohamara, c'est pas grave, gagne le combat, juste je voulais parler, comme ça c'est plus important. Qu'est-ce que je disais? Gargouille dit, les Shisekoli, ce serait cache-misère parce que les gens ils viendraient. Oui, mais Gargouille, ce qu'il faudrait faire, c'est renouveler. C'est-à-dire que, bah, par exemple, c'est comme des saisons en fait. Par exemple, t'as le succès colis où il faut en gagner 1000, une fois qu'il est fini pendant 3 mois, et bah, ils remettent le même. Nouvelle saison. Enfin, soit ils font comme ça, un système de saison, soit. Oui, je suicide le combat parce que là je parle et du coup je suis pas du tout concentré, je fais de la merde, hein, c'est pas grave les gars. En plus, je pense qu'ils m'auraient gagné dans tous les cas. Je disais quoi là? Bref, ouais, je proposais des trucs, mais je sais plus où j'en étais. Ouais, un système de saison, ça peut être fait. Ou justement, avec des quêtes, et ça se réinitialise, ils nous en mettent des nouvelles après. Pff, mais ça, les saisons, c'est sur League of Legends, Cross... même sur leur... Mais mec, sur leur propre jeu en Kama, ils font ça. J'avais Crossmaga, mec. Avec Crossmaga, il y a ça. Crossmaga, t'as des saisons. Je crois que c'est tous les mois. Tous les mois, bah, à la fin du mois, bah, t'as des récompenses. T'as des quêtes journalières. T'as des... Enfin, mec, même leur propre jeu, ils savent le faire. Pourquoi ils le font pas sur ce jeu? Je comprends pas, ils sont bizarres. Après, peut-être c'est dur à développer, je sais pas, hein, mais voilà. Salut Sandwich, bienvenue. Ah, mais c'est ce que je vous dis, hein, moi, si je faisais pas de vidéo, je pense que je jouerais moins. Hein, parce que, enfin, comment dire, là, moi, j'aime bien faire les différentes classes. Franchement, c'est pas quelque chose que j'aime pas faire, tu vois. Jouer différentes classes et tout sur bêta, moi, comment dire, j'aime beaucoup parce que ça me permet d'apprendre plein de choses. J'apprends tous les sorts du jeu avec les ventes de sorts, donc j'aime beaucoup. Mais enfin, gars, à un moment, quand j'aurais fait le tour, bah, s'ils s'entraînent de nouveau, moi, j'en aurais marre aussi, hein. Là, moi, ça va. Moi, je suis pas trop mal parce que j'ai le tournoi. Donc, le tournoi, ça va m'occuper. C'est quelque chose de très intéressant. Mais ils savent faire de bonnes choses en Kama. Juste, je sais pas, faut qu'ils se bougent le cul. Alors, moi, j'espère juste qu'en ce moment, ils sont en train de travailler dessus et qu'ils vont sortir des bons trucs. Bon les gars, je crois qu'il nous reste deux combats à faire, je vais essayer de quand même les faire bien sans parler parce que là... Ah non, il reste qu'un combat les gars, bah dernier combat alors. On a 13 victoires et 6 défaites je crois. C'est pas trop mal, sachant qu'on est en héliotrope et qu'on a quand même une bonne côte. Il est déjà 17h en plus, ouais je vais arrêter après le combat là. L'économie qui est pourrie, ouais, bah faut sortir des trucs PVM, moi j'y connais rien en PVM, moi faites des nouveaux donjons, enfin je sais pas que j'y connais rien, mais perso, quand je fais du PVM, tous les donjons que j'ai fait, je les gère en 2 secondes, quoi. Mec, avec SRAM, je solote Abyssal, Frigos 3, Compte à rebours, et même quand je te dis solote, c'est-à-dire je solote et j'ai les succès avec, c'est-à-dire que je sais pas comme si je solotais que j'avais pas les succès, je solote et en même temps je fais les succès genre Pusillanime, je fais les succès genre Blitz, je fais tous les succès. Tout Frigos 3, je le solote avec un SRAM et j'ai des succès aussi. Sauf quelques exceptions, peut-être 2-3 trucs, mais bon. Non, je solote tous, mais j'ai peut-être pas tous les succès. Genre, Sylvark Barbare, j'ai peut-être pas le succès, je pense. Enfin, je l'ai, mais je le solote pas avec le succès, quoi, ce que je veux dire. Mec, tu vois pas bien que c'est pas trop facile. Je sais pas. Enfin, moi, je dis ce que j'en pense. Pourtant, c'est en plus, ce qui manque, c'est pas des trucs compliqués, quoi. Des systèmes de saison, c'est pas compliqué, gros. Système de saison avec un rank pour du ladder, des trucs comme ça, c'est pas dur à faire. Ils savent le faire, hein. Ils l'ont fait dans leur propre jeu en Kama. Dans leur jeu Crossmaga, c'est ce qu'ils font. Il y a un système comme ça, avec des lois, un ladder qui est bien plus propre que celui de Dofus, qui est un peu buggé et tout. Enfin bref. Tu es sur Hush, ouais, je suis sur Hush. Allez, dernier combat. Allez, je vais faire le dernier combat, je vais essayer de pas trop parler pour le dernier, on va essayer de gagner pour terminer la vidéo, enfin la vidéo, le live, pardon. Oula, Inutrof, ça sent mauvais quand même, hein. Inutrof, c'est pas facile en général à gagner, mais bon, s'il a pas de Fivar déjà, on peut peut-être profiter. Tu penses quoi de Fistage? J'ai jamais joué. Perso, de Fistage, je pense que c'est une bonne idée, tu vois, parce que il y a peut-être des gens comme ça qui aiment bien passer du temps sur leur tel. Personnellement, moi... c'est pas mon bail, tu vois, mais je comprends qu'on aime bien et ça peut être très bien, le fils, y a pas de problème. On va essayer de faire ça, c'est peut-être une très mauvaise idée, mon tour de jeu, j'ai envie de tester un truc. Je viens de faire de la grosse merde, j'ai oublié de me coalition dans le portail, c'est pas grave. Ouais, bref, ou au pire, c'est pas grave, même si je perds le combat, parce que je suis encore en train de penser à ce qu'on pourrait ajouter au jeu. En bref, il y a plein de bonnes idées, je pense que dans le forum et tout, il y a plein de mecs qui proposent des bonnes idées. Alors après, faut pas faire toutes les idées des joueurs, hein, parce que des fois, les joueurs ils proposent des idées de merde. Hein, mais bon,
Je pense qu'il y a des trucs qui sont jouables et qui sont pas mauvaises quoi. Tant, tant, tant. Allô Dofus? Oui, allô. On va torcher son sac avec ça. On va faire un faisceau lumineux. Boum. Et on va. J'aurais peut-être pu faire ça en fait. On va faire quoi? On va faire quoi? On va faire quoi? Interruption? Pff, non, c'est pas ouf. En vrai, vaut mieux le tacler, hein. J'ai fait le con. Enfin, j'ai fait le con. C'est pas très grave, hein, mais bon, on va les coller. Tout, tout. Hop, descend. Enfin, non, serveur tournoi. Il pourrait faire un. Franchement, il pourrait faire un serveur payant pour serveur tournoi. Je suis sûr qu'il est tous les. Parce que l'élite du PVP. Enfin, l'élite, comment dire. Les mecs qui veulent tryhard le PVP sur serveur tournoi, ils paieront. Ils paieront, tu vois, je pense qu'ils paieront. Après, je comprends que ça va niquer l'économie parce que machin, il n'y aura pas intérêt à faire du PVM. Bah, je sais pas, moi, faut changer le système d'Odofus, j'en sais rien, mais il y a des solutions, c'est sûr, de toute façon, il y a des trucs à faire. Hein. Après, c'est pas à moi de trouver tout seul, mais je pense que toute la communauté, ils ont plein d'idées. Hein. C'est obligé, la communauté, ils ont toujours des bonnes idées. Après, il y a des idées de merde aussi, il faut pas toujours les écouter. Hein. Boum, ça fait mal. Allez, on va chercher la victoire pour le dernier combat, ça serait cool. Après, j'arrêterai le live, les gars, mais je vous invite à aller voir la dernière vidéo sur SAPE2, c'est sur du Fortnite. Sinon, sur SAPE2, il y a aussi tous les replays des DWS. Donc, par exemple, dans 2 jours, il y en a un nouveau contre Alistair Zou avec notre vocal. Donc, c'est les replays qui datent d'il y a longtemps, mais c'est toujours intéressant à regarder parce qu'il y a d'autres conversations. Quand on perd les combats, vous nous voyez blasés. Quand on gagne, on est content, on rigole bien. Enfin, tu vois, on voit comment on est quand on parle et tout. Et puis sinon, demain, nouvelle vidéo. Je vais pas vous spoil. C'est une petite vidéo sympa, honnêtement. J'ai pas encore fait le montage, mais ça devrait sortir demain. Vers 18h, vous avez l'habitude. Et sinon, allez me follow sur Twitter, @sapeu. Et attendez, je vais juste quand même me focus pour la fin de ce combat. On va faire ça, on va faire du classique. Ah, mais non, c'est mon 2. Ouais, non, ça va. Mais putain, j'ai encore Mystique comme tout à l'heure avec Coalition, putain! Je suis une vraie salope. Bon, en vrai, c'est pas fini parce que je peux quand même taper, je crois. Mais je suis une vraie merde quand même. Putain, je suis vraiment con des fois. S'il me tue, je suis mort. Enfin, oui, s'il me tue, je suis mort. C'est un peu logique, c'est un peu bravo. Putain, si j'avais fait Conjuration, j'aurais tué en plus. Bah là, je pense que je vais crever, hein. Il me tue ou pas? Putain, si je perds parce que j'ai encore fade, je suis vraiment une grosse merde. Hein. J'ai encore misclick. En fait, c'est à cause des raccourcis. Regardez, en fait, portail et coalition, c'est à la même portée. Et vu que c'est quasiment le même, enfin c'est pas le même icône, mais enfin ça ressemble un peu, du coup à chaque fois je me gourre. Alors, est-ce qu'il va rester en vie? Bon, pour l'instant, je pense qu'il meurt. Hein. Oula, pas sûr. Aïe, 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 en plus je suis taclé et tout là. Ah, 700 points de vie, je peux cac ou pas? Bon, avec offense, ça doit passer quand même. Allez, ça passe. Bien joué à lui, on s'arrête là les gars, du coup. On aura fait, je crois, 14 victoires et 6 défaites, si je dis pas de bêtises, ou 5 défaites. Non, je crois que c'est 6. C'est pas mal, en plus il y a des combats à la fin où j'ai totalement surrené parce que je suis en train de parler. Voilà, on a fait 20 combats, 14, 20, c'est pas mal. Merci les gars, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, vraiment les gars, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui sont abonnés durant ce live. Si vous n'êtes pas abonné ou si vous n'avez pas de compte YouTube, vraiment, si vous voulez soutenir le mec que je suis, faites-le, vraiment, ça me ferait plaisir. Puis en plus, voilà, il y a des nouvelles vidéos régulièrement, les gars, tous les 2 jours, il y a de nouvelles vidéos sur SAPE1. En fait, il y a des vidéos tous les jours si vous êtes abonné aux deux chaînes. Parce que j'essaie, enfin, pas tout le temps, mais en ce moment, en tout cas, il y en a tous les jours parce qu'il y a une vidéo, j'alterne entre SAPE1 et SAPE2, et du coup, il y a des vidéos tout le temps. Après, en plus, s'il n'y a pas de vidéo pendant 3 jours ou quoi, c'est pas la fin du monde non plus, tu vois. En tout cas, voilà. Et puis, il y aura des lives. Enfin, j'essaye de faire au moins un live par semaine aussi, hein, parce que vu qu'il y a des sponsors, j'essaie de le respecter un minimum. Les mecs, ils soutiennent le stream, c'est pas pour qu'ils soient déçus, tu vois. Donc, normalement, j'essaye au minimum un live par semaine, même si en ce moment, c'est un peu dur parce que j'ai pas beaucoup de temps avec les cours qui sont un peu intenses en ce moment. Et aussi, je dois m'entraîner pour les WS et je joue aussi à Fortnite. Après, je pourrais faire des lives Fortnite, mais je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde. Enfin, bref, voilà. Voilà, bonne soirée les gars. C'était un plaisir. Noob, ça peut, merci beau gosse. Très bon live, merci. Il y aura par exemple, soit la rediff de ce live là, pour ceux qui sont encore là, je le mettrai peut-être sur ça peut 2 pour ceux qui ont raté peut-être le début. Enfin bref, vous avez compris le bail. Bonne soirée.